Antoine, ça va la compagnie ? Je suis flou, bordel de merde. Là, c'est un peu mieux. Comment allez-vous ce soir ? J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est la suite de Labyrinthine. Je dirais plus la suite. Bon, c'est bon, j'arrête. Je dirais plus la suite de Labyrinthine. Le chapitre 6 nous attend. Avec un mob qu'on a aperçu au loin la dernière fois, pour ceux qui étaient là et qui s'en rappellent. Une sorte de scarabée géant, je sais pas, il avait des grosses antennes, il avançait, on le voyait pas trop dans le brouillard. Et on va dans les mines, donc je pense qu'on approche de la fin du jeu. Je ne sais pas combien de chapitres il y a, mais bon, en tout cas, c'est nouveau pour Noxer et pour Cathy aussi, donc c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, ce soir, on va jouer avec la Dream Team, hein, bien sûr. Soulfire de la chaîne Twitch Soulfire, Noxer de la chaîne Twitch Noxer 8 et Cathy de la chaîne Red Cathy qui se lance sur Twitch ce soir. Donc, allez lui donner plein de soutien. N'hésitez pas à y aller. Elle est ping sur le live de toute manière. Donc, sans plus attendre, on va aller rejoindre la team sur le Discord. Et puis, écoutez. Ah, Noxer n'est pas encore là. Est-ce que vous m'entendez ? Coucou ! Hello ! Oui. Yeah. Un plaisir. Ah, Noxer, il stoppe des barres. Ça, c'est la voix de Noxer, ça. Pardon. Ah, directement, c'est Cramax de fou. Oh la vache. Absolument. Non, le Real, il perd en zéro. Je pète un câble. Ah. 5 minutes de jeu à domicile, ils perdent déjà un zéro. Putain. Ils sont forts, le Real. Oh l'enfer, j'ai passé ma journée à faire des publics TikTok et tout, j'ai enfin trouvé comment les exporter en bonne qualité, mais ah. Réel, je suis content. Par contre sur TikTok c'est fou comme ça a explosé en si peu de temps là genre là, ah ouais, bah, ceux que j'ai publiés là, celui qui a le mieux marché sur Insta, c'est celui qui a le mieux marché sur TikTok pour l'instant. Ouais. Il tape du, il a fait combien, il a fait du 900 vues et il a fait du 50 likes déjà. Eh bien. Nice. Et ça continue, je continue à avoir des likes tranquillou, tu vois, c'est pas mal. C'est cool. J'ai pas encore mis ceux avec le jetpack. Il faudrait que je les mette aussi sur TikTok. J'ai pas eu le temps de le faire. Ah, mais vraiment, ça me tue de rire. Oh non, il recommence. Oh non, Azael, c'est pas le soir pour faire ça. Non, 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 non. En stream devant la caméra, le chat. Je suis curieux, je vais aller voir. Je vais aller streamhack. Je vais aller streamhacker. Donc, sœur, il est où, bordel? Toujours en retard, ce mec. Noxer, il est en live et il fait son intro et il a fait une putain de faute d'orthographe sur son nom de stream. Labyrinthine chipitre 6 et 7. C'est quoi un chipitre? Il recommençait à essayer d'arracher de sortir sa petite couverture qui est dans sa caisse de transport, mais la caisse de transport, j'ai fermé la petite trappe devant, enfin la petite porte, et c'est une petite porte quadrillée en plastique. Et il essaye par un trou d'attraper un des trous de la porte, d'attraper le... la serviette, je sais pas pourquoi, et de la sortir par les trous. Le petit chenapon. Non, mais je sais pas ce qu'il a avec cette... Mais je pense que c'est en fait, il y a une odeur, il y a l'odeur de chez mes parents dedans, et il y a une odeur qu'il doit beaucoup aimer dessus. Et s'il a malheur de passer devant et de sentir l'odeur, il veut à tout prix sortir la serviette par les trous de la porte. Hello Miss Douche. C'est beau gosse, MDR, super. Ça va? Bah écoute, ça va super, et toi? Bien. Dis-moi, comment ça se passe ton boulot, Miss Nouche? Chut, Noxer, je suis en train de parler avec mes viewers, là. Non, je rigole. Salut, Nox. Et bien, voilà, comment allez-vous? Ça va super, et toi? Bah, ça va, tranquillement. Okay. Quoi de beau? Bah, qu'est-ce que vous faites de beau? Rien de spécial, alors, hein, j'ai travaillé 13 heures aujourd'hui. Ah, ouf. J'ai commencé à... En fait, je suis censé faire 7 heures jusqu'à 14h30. Sauf qu'en fait, en ce moment, je travaille sur mon projet de fin d'année. Et cet après-midi, on l'a tourné en fait dans un Airbnb. Et on retourne demain. Et du coup, j'ai tourné toute l'après-midi. On a fini à 20h le tournage. Du coup, j'ai 13 heures de boulot. Bon, après, ça me fait des heures sup, c'est pas mal. D'accord. Pour avoir des journées tranquilles. Mais bon, voilà. Ok. Tranquille. Ça va, je m'en sors bien pour l'instant. Bah écoute, c'est un plaisir. Ça fait super plaisir à entendre. J'espère qu'on pourra refaire des lives ensemble, Miss Nouche. J'espère. Ça me manque. Et bonsoir aux viewers de Seiyun, parce que bon, c'est rare, donc du coup, faut leur dire bonsoir quand même. C'est obligé. Oh putain. Je vous aime tous. Allez. Oh, pas de la guerre,
que de la... Non. Moi, je prie pour que ce soir, je prie pour que ce soir... Bien bonsoir, Scott Lydia, bien on bonsoir. On va se reprendre un screamer avec Sol qui va ressortir un cri comme l'autre soir. Oh mon Dieu. Courage pour ton projet. Bah écoute, alors, merci beaucoup en tout cas. Oui. C'est pas facile. Oh, ça va revenir, ça. Le focus va faire bien. Correctement. Bien le bonsoir et encore merci pour le follow. Hein. Du coup, on continue à me follow sur ma chaîne quand je ne stream pas. Donc bon, t'as un peu il va falloir que je dise bonjour moi aussi. Oh le stress. Ah, t'as pas lancé ton stream encore. Attention. Attendez, j'ai des réglages à faire, les gars. La première intro de Cathy en direct. Exactement. Moi, personnellement, je vais me allez, la caméra, arrête d'être de me rendre flou. Sol, au bout d'un an, ça sera un bon retour. Tu renfloues ma beauté quand même. D'accord. Alors, c'est juste le Sol, ça sera un bon retour, tu vois. Au bout d'un an, avec le streamer que t'as fait l'autre jour, tu vas avoir de la fame. Je vais mourir, là. Ah, quand je le regarde, ça me tue de rire. Tu vas pas stresser, Cathy. Alors, et d'ailleurs, Scott Lydia, si ça t'intéresse, dans la bio, j'ai des collègues streamers et une streameuse qui va commencer à streamer pour la première fois ce soir. Donc, n'hésitez pas à lui faire coucou, ça fait toujours plaisir. C'est déjà fait la pub. J'ai ping. Je t'ai ping aussi Sol, mais bon, écoute. Non, mais je trouve, Céline, que toi, tu me spammes trop. De toute façon, déjà, tu m'insultes en MP, tu dis que je suis malade. Ça, je spamme trop. De toute façon. Je n'avais jamais remarqué ta coupe, j'aime bien. Bah merci. Mais en fait, c'est récent ma coupe Miss Nouche. Avant, de base, alors, je les avais juste en arrière et ils n'étaient pas si longs que ça. Donc ça non, même pas en arrière, ils étaient de côté, ils étaient coiffés sur le côté. Mais là, récemment, j'ai envie de les laisser pousser un peu. Du coup, j'ai demandé à mon daron, alors, je dis papa, tu peux me faire un petit coup de tendeuse à trois partout. Et d'ailleurs, on les attache avec un petit chouchou, écoute, et on laisse pousser. Moi, personnellement, je te vois bien à boule à zéro. J'aimerais bien que mon mec ait pareil, MDR. Ah, t'aimes bien ce genre de coupe de cheveux? Bah écoute, t'as qu'à le supplier pour qu'il le fasse. Ça fait viking. De quoi la coupe comme ça? Non, ça fait Yasuo surtout. J'ai le sabre juste derrière en plus. Le mec qui n'est pas matrixé par Yasuo. Non, mais je sais pas. Ouais, non, je connais pas ton personnage. Non, mais tranquille. Oui? Est-ce que tu peux juste m'aider pour les infos du stream du coup? Alors, vas-y. Mais calvitie, le pauvre MDR. Ah, ok. Bon, écoute, il y en a un autre ici qui connaît bien la calvitie, donc t'inquiète pas. La calvitie du pauvre. Non, mais t'es chelou, je le dis. Alors, titre, du coup, tu mets le titre, en vrai, qui est accrocheur. Moi, j'ai mis Labyrinthine. J'ai mis Labyrinthine, chapitre 6, 7. Non, t'as pas mis chapitre, t'as mis chipitre, déjà, s'il te plaît. Chipitre, oh merde. C'est pour ça que je leur ai dit tout à l'heure, je leur ai dit, mais d'accord, donc ça, il fait des fautes d'orthographe, maintenant. Non, mais c'est quoi, c'est vrai. Chipitre, 6, 7. Mais du coup, tu m'as spoilé, il y a un septième chapitre. Moi, je pensais que c'était la fin, là, après les mines. Alors, on est loin d'avoir fini, mon cher. Et on n'a pas compris. Ah ouais, à ce point-là seul, s'il est allé en avant. Ah non, mais c'est pas. Non, mais c'est loin d'être fini. Hein. Oui, je sais que c'est loin d'être fini. Le 7, il n'est pas sorti encore, je crois. Ah ouais. Bon, Scott Lydia, merci pour le follow. Bon, alors, attends, merci Scott Lydia d'avoir rejoint. Ils écoutent bien tes noxeurs. Ils écoutent bien tes tu vas donner ça. J'allais dire, ils écoutent bien tes noxeurs viewers. Mais non, c'est l'inverse du coup. Yes, sir. Merci beaucoup Scott Lydia, ça fait super plaisir. Ah putain, j'en peux plus. Et ça me permet de voir aussi que mon animation marche toujours. Je suis content, il n'y a pas de bug. Non, ton plaisir. Animation, elle ne fonctionne pas. La seule animation que j'ai pas vue, c'est le marché encore, c'est les dons. Mais en même temps, bon, il faudra attendre. Alors, dis-moi. Il faut que tu mettes. En catégorie, il faut que tu mettes le nom. Le nom du jeu. Nom du, donc, c'est Labyrinthine. Du jeu, ouais. Ah. C'est vrai qu'il ne devrait pas l'appeler catégorie. C'est un petit peu. Comment dire, trompeur. Et le petit streamer, tu vas te calmer. Les tags, c'est ceux qui jouent avec moi. D'accord, ça y est, l'autre, il m'a dépassé. Il a 3 abonnés de plus que moi. Il fait le Mario maintenant. C'est comme ça que tu parles aux gens, comme ça. Eh oh, les garçons, je suis là. Ah oui, excuse-moi. Dis-moi. Ça serait bien qu'on démarre le jeu pas trop tard, quand même. Donc, allez, @, c'est ça? Les tags, c'est vous? Alors, @, Seyon31. @. Ça te rappelle quelque chose, ça? Alors déjà, ils le trouvent pas. Mais non, en vrai, mais rien en tag. Hein. Tu mets français. Ah tu mets @ dans le titre directement. Dans le titre. Oui, je pense qu'elle parle des tags du jeu. Tu vois, t'as la catégorie et juste en dessous, il te demande de mettre les tags pour reconnaître, pour être référencé Oui. Oui, mais ça, elle n'a pas besoin de le mettre, justement. Elle n'a besoin de rien mettre. Ce qu'elle veut, c'est mettre nos pseudos. Taguer nous, en fait.
Oui, j'ai cru que t'allais lâcher un ta gueule, mais je savais en fait non, je me disais tag. Ah, c'est compliqué, on va y arriver. C'est compliqué, non, on va y arriver. Bah, déjà, je vais quand même. Du coup. Si tu lances le jeu, ça serait pas mal, les annexions. Lancer, oh, toi, tu vas te calmer. Bah, toi, écoute, le seul qui l'a lancé, c'est moi actuellement. De toute façon, je vais faire comme d'hab, je vais quitter Discord pour pas que ça nuise à mes performances. Moi, de toute façon, je vais quitter Discord pour éviter que ça nuise à ma qualité de stream, quoi, de toute façon. Ah ouais, c'est, arrête de te la péter, là, avec ton PC à ton PC à, juste parce que t'as des réductions, quoi. Non, mais sérieux. Quoi? Pourquoi? Hein? Mais quel est le rapport? Quel est le fuck? Quelqu'un est jaloux, moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Hein, c'est tout. Ah ouais, écoute. Hein. Ah, moi, j'adorerais avoir une soeur qui travaille chez LDLC, frérot. Bah, t'as qu'à avoir une soeur. Non, j'ai un père, écoute, j'ai un père, il est riche, c'est mieux. J'ai un père, il est riche. Ah ouais, ça te fait rire comme ça? Écoute, pour mon anniversaire, j'arrive à mon anniversaire, je me dis, okay. Bon, Darwin va me gagner 300 balles, tu vois, tranquille. Et là, il me dit, oh, Alex, non, ça dit, j'achète un nouveau PC à 2500 balles. Alors. Pardon? Ça marche pas les tags. Alors, n'hésite pas merci, juste à. Merci, Skeptisnia, pour le follow. Merci. Stream. T'es en stream, toi aussi? Bah, bien sûr que oui, je suis en stream. Let's go, je vais avoir sa POV. C'est parfait, c'est excellent tout ça. Du coup, vas-y, stream juste ta chaîne. De ce que t'as mais non, sol. Ah, j'ai cru que t'avais pas mis ta tête. Ok, non, c'est bon, tu l'as mise. De quoi Voilà, maintenant je vais te coller toute la game et je vais regarder ton stream. Comme ça, je vais être sûr de rien louper. Là, je mets ça. Oh putain. Et là, je mets. Noxer 8. Ouais. Sol. Et c'est là que Scott Lydia est un bot que Noxer a payé pour ça. Alors, le foyer, du coup, il faut le trouver. Ce foyer, si c'est bon. Et là, je touche plus à rien et après, j'enregistre. C'est ça. Enregistre. Parce que tu là, fais, en fait, tu fais surtout pas annuler. Ici, c'est en blanc. C'est normal. Ah non, c'est normal quand t'es en studio comme ça, c'est tout à fait normal. D'accord, ok. Il faut que t'ailles directement que sur suivant la blague. Comme ça, un blague. D'accord. Et donc là, après, comment je fais pour oh là là, 71 followers, on se rapproche des 80. Alors attends, redis-moi. Démarrer le stream, mais avec la petite latence. Ouais, c'est ça. C'est comme toi. En fait, tu peux mettre la latence faible si tu veux discuter avec tes viewers. Oui. En fait, comment on fait sur BS? Dans ce cas, va dans le paramètre. Non, reviens sur Twitch. Ouais. Ok. Oh mon dieu. Va dans le paramètre, à gauche. Il a peur du menu, Noxer, déjà. On n'a même pas lancé. J'ai peur. Mec, streaming. Tu m'as rejoint. Mais vraiment, le jeu, je me suis... Là, tu es le mode latence, tu mets latence normale. Il faut que je fasse des clips de... De la soirée labyrinthe du dernier épisode. D'accord. Les screamers qu'on s'est mangé, vraiment, mais il faisait trop bien. C'est quelques secondes. Ah, mais t'inquiète pas, c'est loin d'être le dernier. D'accord. Parce que je te rappelle qu'il y a des maps procédurales. Arrête. Vas-y, je joue Discord. Je sais pas si tu peux enregistrer les paramètres tout en bas. Hop, les. Voilà, enfin, on a un son de jeu. On a une belle qualité. On est pas mal. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, voilà, c'est tout. Je suis débile, j'en peux plus. J'ai 20 ans, on dirait que j'en ai 16, quoi. Ah, mais tu m'entends depuis tout à l'heure. Non, mais t'as 4 ans, de toute façon, c'est... Bah écoute, ça nous fait un point commun, donc sortez déjà ça. T'as un humour. Ah, vraiment. Par contre, mec, sur TikTok, c'est fou comme ça explose vite les TikTok, c'est un truc de malade. Ah oui, hein, pour l'instant. Ouais, genre là, mon premier TikTok que j'ai fait, c'est celui qui a le marché sur Insta. Il a fait 900 vues et 50 likes, genre, direct. C'est incroyable. La labyrinthe. Wow. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Pourquoi j'ai mal à la gorge comme ça? C'est à force de... Double voix. De pardon. Non mais c'est une dinguerie, wesh. Oh mon dieu, j'ai encore... On dirait Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Non mais ça y est. Mais que racontes-tu? Ils ont fini les microbes dans ma gorge là, non mais sérieux. Tiré du 8 YT. Tiro 8. Quoi Tiro? C'est quoi ça? C'est qui? C'est quoi ça? Alors, franchement, t'as vraiment des Noxers qui sont des viewers. Hein. Non, des viewers qui sont des Noxers. Parfait hein. Parfait, oh putain. Ça m'arrive souvent ça d'inverser des mots dans une phrase et des fois ça prend une tournure tellement drôle genre. Moi, ça me. Je voulais faire une blague. Moi, ce soir, je me suis donné un objectif, c'est de monter le son et d'arrêter de me chier dessus à chaque fois qu'il y a un mob. Donc, du coup, je vais monter le son et je vais jouer et vous allez m'entendre hurler, c'est sûr et certain. Alors, je suis désolé d'avance dans le chat si jamais vous avez mal aux oreilles, je suis vraiment désolé. Au début, tu triches.
Non, je triche pas. En fait, je joue avec le son normal, à un son, on va dire normal. Je le mets pas trop fort pour entendre les bruits pas. Mais dès qu'il y a un mob, quand j'avais l'autre mob là, que je l'entendais marcher, mais écoute-moi bien, je baissais le son parce que j'avais trop peur de son cri là. Parce qu'en plus, ça prévenait pas. Vous avez de la chance hein, sur YouTube. Hein, parce que là, toutes les conversations inutiles, là, vous allez pouvoir y échapper. Hein. Vous allez directement aller sur la game. Hein. Vous avez de la chance, vous. Ah, tu entends que tu vas laisser. Bah, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est très dommage. Moi, si je fais une rediff, je laisse tout. Non, c'est parce que du coup, on est sur du brut inigo. On appelle ça des best-of, Doxer, du moment où tu commences à faire du montage. Tu veux t'attaquer à moi comme ça? Non, je veux m'attaquer à. On a toujours pas de. Mais il faut finir le jeu pour avoir des gâteaux, là, pour pouvoir acheter des trucs. Pourquoi tu veux manger même dans un jeu d'horreur, toi? Mais t'étais fou. Si on en croit ce qui est dit, il reste 3 chapitres. J'ai envie de pleurer. Alors, est-ce qu'on aurait pas le son de coupé par hasard? Sol, bah nous on t'entend en tout cas. Allô, allô. Ouais, c'est bon, j'avais pas. Ah lui là. Comment ça tu vas pas mon ami? Comment ça? Oh, déjà toute caméra. Alors du coup les copains, est-ce que tu n'es pas mon follower? Ouais, on t'entend. Est-ce que sur t'entend. Mon stream, vous pouvez vérifier vos voix à vous? On n'entend rien. Non, je rigole, pas vrai. Alors attends, ouais, mais je te vois même pas, bon, je te vois même pas en stream alors que je t'ai follow, c'est quoi ce bordel? Merci Noxer pour alors, je l'ai ton lancé, follow. Hein, pour elle est là. Pardon, excusez-moi. Oh, ah, laisse-moi écouter, laisse-moi écouter. J'ai le son à fond. Oui, oui, c'est cela. Oui. Donc j'entends nos voix, mais je... vas-y, parle un coup, Ophélie. Je parle un coup, qui parle un coup? 1, 2, 3, soleil. Ouais. Oh mon dieu, je ne bouge plus. C'est peut-être un peu fort. Il faudrait que tu montes un peu le son du jeu, un chouïa. Alors que je. Genre. Ok. Le son du jeu, donc en Le jeu, du coup. Je t'aurais dit via OBS, mais bon, vu tes paramètres de jeu, monte peut-être un peu plus le. Ouais, le volume des voix, ouais. Enfin, moi j'ai toi à 100% dans le jeu, c'est pour ça, donc je sais pas. Moi c'est pareil. Je cherche ça parce que du coup, je sais pas bien m'en servir encore. TKT, ça va venir. De toute façon, c'est le stream crash test, c'est le premier. On te pardonnera. Personne va te faire la gueule. Guidez-moi s'il vous plaît parce que du coup je suis un peu perdu. On va te guider dans le labyrinthe parce que Noxor va lancer cette game maintenant. Oui. Oui. Comment ça oui? Alors vas-y, je t'écoute Noxouille. Il a aucune pitié ce mec. Aucune pitié. Je mon stream moi de l'autre côté là. Je n'aurai aucune pitié. Je vais fermer Discord. Je vais fermer Discord. Pourquoi j'ai Wallpaper Engine qui est ouvert? C'est quoi merci ce bordel? Bienvenue. Ah, merci Lydia d'avoir follow tout le monde. Le jour où. Non mais écoute-moi bien, le jour où Lydia te lâche un follow, mais frérot, je te garantis, moi je me mets à chialer, frérot, clairement. Ah frérot, mais Lydia, c'est la génération et ils ont notre âge, mais c'est des exemples, je suis désolé. Lydia, Fugu, alors, Flamby. Je t'écoute juste pour remonter vos voix du coup sur mon stream alors... et bah, le son du jeu. Alors en vrai, il faudrait que tu augmentes l'audio du bureau. L'audio du bureau. L'audio du bureau, ouais. Du bureau sur OBS. De son système, c'est, ouais. Ça dépend. C'est ça. Ça. Alors comment te dire que c'est déjà à fond? Oh, I'm blinded by the light. Du coup, ça serait peut-être. Merci Loulou, bienvenue. Existe où? Bon, on voit l'ordre de préférence, on voit qui va avoir en premier. Hein. Non, mais ouais, en tout cas, les sons des alertes, c'est bon au sol. Ça nickel. On a fait les bons réglages, parfait. Let's get it. On en est où là en termes de réglages là? Alors en fait, moi c'est déjà à fond l'audio du bureau. Est-ce que du coup, ça serait pas plutôt une game que ça pourrait aussi faire une différence? Bah ton volume général est bas, donc oui, ça veut dire que ton jeu en général, tous les sons sont bas. Donc, ah ouais, mais alors moi oui, déjà que les sons c'est assez fort pour moi. Alors là, je vais sauter au plafond. Ah bah tu baisses le son de ton casque tout simplement. Eh oui. Oui parce oui, que ça n'influera pas directement une game. Bah, dites-moi là, écoutez, dites-moi. Et aussi les viewers là, dites-moi aussi si le son c'est bon pour vous. Bah Xistou il va te dire. Ouais. Ouais. Donc sur pourquoi tu transformes en mage noir d'un vas-y, coup là. Loulou, dis-moi. Ah voilà que là voilà. Please. Ton game d'Harry Potter en plus, le fameux miroir d'Harry Potter. On aurait plutôt dit le SDF qui se trouve chez Alidol de pas très loin de chez moi. Chez Alidol, waouh frérot, après le chipitre 6 et 7, ça fait beaucoup là. À 80. À 80, moi je mets à 47. Je
vous promets, les viewers, on va pas tarder à lancer le jeu. Ouais, excusez-moi, c'est de ma faute, c'est mon premier stream, les... et je suis pas encore très calé. Ouais, c'est de sa faute. Allez, allez la flemme dans son chat. Voilà, go back, mute, et puis voilà. Ah, ça, j'ai pas trop forte, ça sert à rien. Ah bah donc sort, t'as rejoint la secte des casques VR. Tu peux écouter la musique du jeu si tu veux, Loulou. C'est vous qui avez rejoint la. Mais après, la moi, secte. Ça fait. Bon, avec Sol, depuis le départ, on a le casque VR. Hein. On est des nerds. Oh, on a le même Dieu, t-shirt en plus. C'est juste 45 qui vient vers moi. Comment ça, on a le même t-shirt? Quand tu portes un t-shirt, toi. Ouais, c'est vrai que j'en porte pas. Encore une fois aujourd'hui. Hein. Oui, mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que tu n'avais pas de petit chapeau. Comment ça, tu sens un mensonge? Mais non, frérot, j'ai rien. J'ai juste ma veste à moumoute, c'est tout. Et oui, je me cache maintenant parce que, apparemment, voilà, je suis tout le temps à poil. Non, mais vous voulez savoir pourquoi, du coup, on est loin d'avoir fini? Parce que là, il y a 100 niveaux, jusqu'à 1000 niveaux pour choper des trucs intéressants. Hein? Pardon? Tu répètes ça? Oui, ouais. Va voir sur la tente là-bas. Et je parle pas de la alors, famille, bref. Non, du coup, après, tu... Non, mais vraiment, ce genre de level 1000. Mais non, mais level. Mais t'es con, tu le fais exprès, donc ça. Je vous ai connu grâce à tes rediffusions. Ah ouais? Ah bah quelle rediffusion, sur YouTube ou sur Twitch directement? À ton avis, espèce de mongol. On va se mettre un petit sabaton. Non, parce que du coup, c'est vrai que je fais pas mal de pubs sur YouTube aussi quand même. Mais oui, mais si elle vient sur Twitch et qu'elle te dit c'est grâce à tes rediffusions, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Noxer, enfin, le bon sens. Je vais avancer un peu la musique. Oui, j'ai envie de te fumer alors. Tu veux octogone ou pas? Quand est-ce que tu veux? Franchement, dans le jeu là, dès qu'on lance, je te mets un coup de lampe torche et je te lance un glow stick dans la gueule, c'est bon? Je sais pas, si tu attends, Loulou. Tu dis plus les joysticks, c'est ça? Oh, ta gueule, putain, mais ça y est. Est-ce que tu entends bien la musique ou pas? On est tous niveau 1. Est-ce que du coup, tu connais Labyrinthine à Scott Lydia sur YouTube? Un peu plus fort. Ah bah, je suis content. Au moins, le YouTube, ça fonctionne. Ouais, mais alors, quand du coup, là, c'est ça fonctionne, j'ai ramené une personne. Wouhou! Non, mais en vrai, c'est vrai que YouTube, c'est compliqué, hein. Quand t'es pas dans la sphère ou quoi que ce soit et que tu postes pas beaucoup, c'est compliqué d'avoir un... Ouais, du PC, pas de YouTube, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc alors, ça fait plaisir, YouTube, en vrai. YouTube, Même si on va dire que je spam beaucoup, alors, faut dire ce qu'il y a. Si il fait chier l'algorithme YouTube. YouTube, il les voit ses vidéos, ils sont en mode « Mais merde, il nous fait chier, celui-là !» Je crois qu'en moins d'une semaine, je suis à 60 shorts. Ah putain, moi, en une semaine, frérot, j'ai acheté 3 survêtements, laisse tomber, hein. Non mais regarde, quand tu vas dans les équipements, on peut avoir des bracelets de renaissance, des jetons de relance. Mais oui, mais niveau 1000, Noxer, c'est pas 1000 niveaux. C'est en fait, on a un niveau de l'XP. On est tous niveau 1. Et c'est parce qu'on est en multijoueur, ça c'est pour ça. Oui, non, comment ça là, oui. Un peu plus, Loulou, non, c'est parce qu'il faudrait aller en mode multijoueur. Est-ce que du coup, ouais, tu connais Labyrinthine de Scott Lydia, du coup? D'accord. Un jeu qui fait bien peur. Ça c'est cool. C'est quoi, est-ce que le jeu est à fond? Waouh! Volume des voix, ça doit être ça, mais ça c'est les voix des autres. Allez, c'est parti, il commence à faire chaud là. Let's go. Exactement. La musique, on va pas la mettre parce que ça risque d'être ultra brouillon. Et coucou Marunard! Bonsoir viewers et viewers. Je galère un peu avec le réglage des sons, les garçons là. J'essaye de comprendre ce que me dit Loulou, mais. On fait tomber la moumoute! Pardon, excusez-moi. Alors, il entend pas assez la musique du jeu et ma voix est trop forte par rapport à vous. Alors, mets tout à 100%. T'as juste à faire un truc, ouais. Tu mets tout à 100%. Dans le jeu. Tu vas avoir dans le jeu, ouais. Directement. Après, sur OBS, tu descends à moins 5. Tu vas voir déjà. Ça, en fait, tu vas réduire l'audio du bureau et augmenter mic aux. En gros, ça, du coup, c'est ton micro. Ouais, c'est ça. Non, diminuer vu que son micro est trop fort. Attends, c'est quoi? C'est on entend trop. Non, mais déjà, en remontant le son à 100%, ça va saturer. C'est l'inverse. Dans le jeu, je mets tout à 100%, c'est ce que tu remets tout à 100%, ouais. Donc ça va être fort dans ton casque, ça c'est pas grave, tu baisses un peu ton casque. Ah oui, c'est horrible. Tu baisses un peu ton casque, et juste après, sur ton OBS, tu regardes tes vues mètres. Tu vois que si ta barre du jeu est trop haute, tu la descends, tu la mets à moins 5 décibels. Ça devrait être suffisant, je pense. Et voilà, on a perdu un viewer, tout ça, parce qu'on attend trop. Non, je... Putain, ça partait si bien. Je vais bien. Salut Kenoke, salut Xist. C'est où que je baisse déjà le... C'est ici, là? Alors tu baisses rien du tout, tu baisses s'il te plaît. Mais oh, commence pas. Et après on ose dire de moi, mais vous êtes fous. On ose dire de... Non mais frérot, parle français s'il te plaît, donc ça.
Pour baisser le volume de ton micro, il faut que tu ailles sur ton OBS. Toi, tu vas aller rejoindre le monstre tentaculaire, là. Tu vas te faire... Je mets à moins 5, c'est ça? C'est très, très sauvage. Diminue-le au fur et à mesure et essaie de voir avec Xist. Alors, OBS, c'est bon, je suis dessus. OBS El Studio. C'est OBS espagnol, vous connaissez pas, chat? OBS El Studio. Alors, on fond la game, nous, on a testé un autre truc avec Sol et en fait, ça a fait planter mon OBS, donc on a laissé tomber. Et en fait, ce que tu m'as dit que tu utilisais, comme c'est Nvidia, j'ai peur que ça aille en corruption avec ma carte graphique à moi. Parce que qu'est-ce pas qui Nvidia, est Nvidia en fait. Alors, j'avais peur que du coup, donc je pense qu'il faut soit que je prenne un truc AMD, Radeon, enfin voilà, un truc qui va avec, ou que je trouve un autre logiciel complètement lambda en fait. Bah, t'as de OBS, t'as Streamlabs. Ça va, c'est Streamlabs, c'est beaucoup moi, plus simple. C'est terrible, mais bon, c'était surtout pour cacher ça parce que j'ai pas customisé ma pièce quoi. Donc, mais du coup, ouais, Nvidia, du coup, je vais pas pouvoir. Mais merci quand même. Oh. Alors, du coup, Loulou, ma voix là, c'est comment? Sinon, je recule un peu mon micro aussi, hein, c'est pas. Bon, ça ne changera pas grand chose, hein, je te rassure. Et en plus, ouais, j'ai tendance des fois, je m'en rends pas compte, mais je parle un peu fort alors. Non, t'inquiète. Il a compris direct. C'est bien? Ok, cool. Bon, alors c'est ça le problème, vais... c'est que je comprends directement, c'est ça le souci. Ah bah c'est ça le souci, ouais, écoute. Bon, on va quand même, on va quand même lancer. Non, ouais, jure. On est au moins je croyais qu'on allait faire un tennis. tu veux faire un tennis? Franchement, ouais, de fou. Attends, la taille de ma cape. C'est quoi? Moi, je trouve moi, personnellement, je trouve un stade de tennis. J'ai pas besoin d'un truc trop grand. Je le fous en fond vert et puis on fait du tennis, mon gars. Un stade de tennis, s'il te plaît, c'est un terrain. Respecte le joueur de tennis un peu là. Respecte Roger Federer. Oui, un stade, ouais. C'est vrai que j'ai pas besoin de mettre. Là, on les entend plus trop. Je sais pourquoi. Ouais. Mais en fait, j'ai baissé le son du jeu, mais là, ça me pète les oreilles, c'est horrible. Mais baisse le son de ton casque, tout simplement. Et oui. Oui, mais quand je baisse le son de mon casque, ça baisse les autres sons. Là, ça va baisser. Mais quel autre son? T'as quel autre son qui est allumé à part le tien? À part le? À part le son du jeu, t'as quel autre son du jeu dans ton casque? T'as quel autre son dans ton casque? Ben, j'ai que le son du jeu. Et ben voilà. Moi, j'ai la commande de mon casque. Oui. Dans ce cas-là, tu augmentes le son de ton audio de bureau, donc de ton PC. Et tu diminues le son qui arrive dans tes oreilles avec ton casque. Oui, c'est ce que je fais, sauf que ça baisse tout. C'est ça que vous comprenez pas, dans le mélangeur de volume, ça baisse tout. Ou alors j'ai pas compris ce que vous me dites. Est-ce que tu as une télécommande juste pour ton casque? Oui, oui. Dans ce cas-là, tu baisses le volume avec cette télécommande-là. D'accord, ok, c'est bon. Tu augmentes le volume de ton bureau. Donc du coup ça augmente le volume. Non, ça réaugmente dans mon casque. Putain, ton bureau il a des enceintes. Oui, ça c'est normal. Donc du coup si pour régler tu en fait faut jouer avec les deux. Tu parles à quelqu'un, Céline? Je peux pas. J'ai fait une vanne mais c'est pas passé. Quand j'en touche un, ça bouge. Marquez tous dans le chat, RIP Céline, voilà. Coucou menace. je vais te faire un RIP Céline aussi, tu vas voir. Parce qu'en fait, l'objectif c'est d'augmenter le son de l'audio pour que les viewers puissent mieux entendre. Oui, et alors du coup, je fais ça. Ça y est, je m'endors. Okay. Qui arrive à tes oreilles. Et là, Loulou. Oh, ah mais non. Champs-Élysées. Pardon, excusez-moi. Micro déjà, et après c'est vous. Et là, du coup, est-ce que sur le chat, le truc c'est que oui, je peux. Je peux baisser le son du jeu, mais après, je croyais que tu l'entendais pas beaucoup, justement. On va y arriver. Bah, je suis désolé, hein, c'est tout ce qui est réglage. Vous avez comme vu, ça, c'est l'évrasse. C'est pour ça qu'en général, c'est bien de le faire vraiment. J'ai pas vu partout, c'est dégueulasse. Bon, avant de commencer le stream, comme ça, au moins, tu peux prendre ton temps sans être dans le stress et tout. C'est pour ça. Là, du coup, je suis in-game. C'est la dernière fois que tu dis c'est pour ça en même temps. Est-ce que c'est bon là? Du coup, est-ce que vous entendez les voix des garçons? C'est surtout la musique qui casse les oreilles. Et la musique en soi, on en a pas vraiment besoin. C'est surtout les voix des garçons, les bruitages du jeu. Oui, mais quand tu te fais chasser, il y a une musique aussi, donc soit la baisse pas à zéro non plus. Il n'y a pas besoin d'être trop forte non plus. Il faut pas que je parle trop fort non plus. Les gars, je vis en HLM, je suis pas toute seule, donc. Oh, t'inquiète, moi aussi. Les réglages soient faits. Bah,
On lance au moins quand même une game, au moins comme ça, parce que là, les viewers, je pense qu'ils en ont un petit peu marre de voir les quatre personnages. C'est compréhensible en même temps. Donc nous sommes, les amis, dans les mines. Les mines de je ne sais pas où. Et apparemment, c'est pas la fin du jeu. Donc soyez prêts. Voilà. J'espère juste qu'on va pas se chier dessus. J'ai très chaud. Mais bon, je n'enlève pas ma veste parce que sinon, je vais avoir froid. Est-ce que je sais ce que je veux, chat ? Je n'en sais rien. Je n'en sais totalement rien. Je parle à grenouille un peu. C'est la grenouille, mais auto-tunée en mode grave, tu vois. Qu'est-ce que je raconte, frérot ? Send help. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Et pour les Français, envoyer de l'aide. Voilà. Bon. Let's get it. En tout cas, vous êtes une excellente soirée et bon stream. J'avais jamais eu l'occasion de finir, donc là. Ça on l'a lu la dernière fois. Oh, ça me baille. C'est quand. Ça c'est cool. Bonsoir les gens. Bon bah nickel. Ah, je trouve une carte d'identité. N'hésitez pas s'il y a un souci, hein, vous me dites. Alors, sommes-nous censés aller. Donc on est arrivé à la mine. Il y en a 1 sur 20 de carte d'identité. Sayon. Ouais. C'est moche. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ouais. C'est pertinent de ta part. Ah non, ouais. Il fait jour. Ah bon ? Merde. T'as mis la luminosité à 100%, toi, du coup. Le mec trop premier. Mince, c'est quoi le mot qu'on retrouvait dans tous les chapitres ? Oh shit. Je sais pas si c'est Joanne. Ah oui, c'est Joanne. Joanne. En fait, dans chapitre, elle est... Bah Joanne, en fait, c'est celle qui disait c'est qu'elle allait dans les mines pour en finir. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser que la mine c'était le dernier chapitre. Ouais, en fait, parce qu'elle veut récupérer le cadavre de son papa, en fait. Merci d'être passé. Merci pour... Oh, il est juste là, ce mob de merde. Il est basé sur quoi, celui-là ? Elle a pas pu extraire le corps. Comment ça va ? Il fait toujours sombre, la chambre, chamois. Ah, Les couleurs, on garde. Ah oui, il y a l'espèce de bestiole là-bas. Bah, on garde En fait, c'est un mob. On garde ce qu'on a dit. Hein. Ouais, ok. C'est un mob sur deux pattes. Et il se transforme en fait, je crois. Allez, c'est parti. Parce que du coup, Seyon, t'as dit que c'était un espèce de truc avec des tentacules, mais moi je l'ai pas vu. Ah vous allez vite le voir. Ça se trouve, il y a encore des sangsues là-dedans. On est en train Oh la vache! Moi je recule! Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Oh putain, c'est quoi ce truc est-ce que encore? Est-ce que vous connaissez le hentai? Non, mais c'est pas l'heure. S'il te plaît! Il faut qu'on aille à droite, il y a une baraque à droite. Le problème c'est qu'il a. Je sais pas s'il est sensible à la lumière ou pas. Je pense qu'il est je crois qu'il est aveugle mais sensible au son parce qu'il nous a pas vu, mais je crois qu'il nous a entendu. J'ai l'impression. Okay. Ouais. Clairement pas! Je crois qu'il bouge pas en fait. Ah, si, qu'il bouge clairement. Non, il bouge pas, il se déplace pas. Oui. Oh putain. Il y a des sangsues là. Non, c'est pas les sangsues, c'est le mob. Ah, si, là où on était avec Nox, je peux te dire que c'était un bruit de sangsues. Non, ce bruit que tu entends là, l'espèce de. C'est le mob. Ouais, alors, mais c'est le mob. Il se balade. Oh, ce bruit de pas dans la gadoue. Ouais. En haut de la baraque, courez. Ça me dégoûte. Tout en haut de la baraque, il y a une carte d'identité, si jamais. Il est là, je le vois. Oh, il a des tentacules, c'est dégueulasse. Carte d'identité en haut de la baraque. En haut. Ouais. Où ça là-haut, là-haut ça, comment ça va sinon Coco. Attends, je suis bloqué là. Bah alors, grosse merde. On est tombé. Non, mais arrête. Mais tu l'as trouvé où ta carte d'identité, toi? Bah, elle est pas très loin là. Ah, elle est là, Oui. Ah, elle est encore au-dessus. Eh ouais. Scott Lydia, je suis allé m'abonner sur ta chaîne YouTube, mais je vais pas pouvoir. Oh, merci, t'es un amour. Merci beaucoup en tout cas. Y'a aucun problème, c'est pas grave, tu peux pas rester. Tu as d'autres choses à faire, je comprends. Y'a aucun problème. Y'en a 20 à trouver alors. En tout cas, rien que tu sois passé, sache-le, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, une très bonne soirée à toi. Il est en bas, regarde-le. Le chapitre d'avant. C'est un foiré là, regardez-le, ce monstre de merde. On dirait un monstre de Resident Evil. Ah putain. Ouais, mon ex.
Oh, oh putain. Oh shit, en fait il se transforme en espèce d'araignée, d'accord. En vrai ça me fait penser à Parasite. Alors le son est absolument horrible. Ouais clairement, mais du coup je comprends pas, il fait ça quand il nous voit ou il fait ça random? Je pense hein. Je crois. Il part à gauche, je pense qu'on peut aller dans son dos. C'est un pattern. Je crois qu'il a... C'est vrai qu'il a une gueule de père lui, il a forcément des gosses. Je crois que c'est juste au bout d'un certain temps il fait son petit truc là. C'est un paternel. Putain, t'es banni. C'est marrant ce soir, toi. Regarde, là, voilà, il vient de le refaire. Alors qu'il... Oh, ok, c'est random. Donc, quand en il fait, le fait, oui. Je pense qu'on peut pas... En fait, les tentacules sont trop larges. Enfin, sont trop... Bon. En fait, je pense les... qu'on marche un certain... Enfin, un certain temps de... Et la question, c'est... Est-ce qu'il arrive. Est-ce qu'il peut nous choper quand il est pas en mode tentacule? C'est ça que je veux savoir. Ah bah je pense en vrai, il doit avoir un corps à corps, ouais, là c'est chances. Vraiment pour le choper si on fuit quoi. Il y a des chances. Là je crois qu'on est en sécurité ici là, on juste sur le toit. Non. Dans tous les cas, il va falloir qu'on avance hein. Mais Je pense qu'il y avait rien de particulier à ça y est, j'ai fait le multipov si tu veux. Oh bah écoute, un plaisir. Ici là t'as la carte d'identité si jamais. On peut aller, ça y est. Il est là, je le vois. Il arrive, c'est à droite qu'il faut qu'on aille, mais... Messire Benouz, putain, j'ai eu peur en tombant sur Noxer. Ah ouais? Bah moi aussi j'ai peur en te lisant. Je t'aime aussi. Wow, il s'approche un peu trop de moi, là. Ah mon dieu. Je pense que si on passe en dessous à quatre pattes accroupi, on est safe. Alors, à quatre pattes plus des tentacules, là, tu commences à me faire douter un petit peu, là. Je pense que si on passe dessous à quatre pattes, ouais, mais encore. Beaucoup de choses bizarres. Et celui qui se la prend, il fait comment? Tentacules. Oh, putain. Allez, c'est bon. Noxer, son... Oh, il a été dégoûté par cette vanne. Oh. Oh non. Pour avoir tous les streams en même temps. Il est là-bas. Dans la tête. Vous êtes dans un cul-de-sac là, hein, je vous le dis. Ouais. Mais il revient, ouais, donc restez là en fait. Mine, mais non, ça va être plus loin, je pense. Je le vois pas le mob, hein. Je vais me faire rattraper, je vais rien. Il est à ta droite, il est vers là. Ah, il est droit devant vous. Oh shit. J'ai peur. Il a pas l'air de vous courir après, hein. Ah, je peux pas te mettre le lien, BG. Ah bah non, les liens ils sont bloqués, mec, désolé. En vrai ? Mais t'as fait le multipop, c'est-à-dire, t'as fait comment ? J'ai envie de tenter un truc en vrai. Peut-être qu'en fait, on a juste à esquiver quand il fait ça, hein. Ah, Sol, il court à gauche là-bas, je le vois. Mais Sol, c'est un suicidaire à chaque fois. Oh, le mob, il est juste là. Je sais pas où là. Bonsoir, petit mob, tu peux t'éloigner ? T'inquiète, là, j'ai vos cas streamer derrière. Regardez comme il est moche. Oh putain. Il va faire son truc. Il est juste là. Je crois que. C'est dégueulasse. Non, mais il va falloir qu'on avance. Hein. Je crois qu'il est aveugle en vrai. Donc, sûr, j'ai le même réflexe, j'ai voulu faire ça. Bah, Sol est passé, je crois. Sol, il est au niveau de la lumière là-bas. Allez, vas-y, faut qu'on y aille. Faut y aller. Il est à gauche, là, faut qu'on passe dans son lit. Ça, tu vois, donc, oui, c'est ce que tu disais l'autre fois. Ça, c'est un mob qui vient de Tchernobyl. Ah, mais clairement, hein, les tentacules, de toute façon. Oh, même la gueule qu'il a, ils ont. Sol, j'arrive! Oh, il y en a un deuxième. Non. Oh, il y a un truc là. Oh, j'ai ramassé quoi? Les sont perdus si je ne peux pas rentrer le métal de cette bande de magnésium fabriquée de la thermite. Ah, bah c'est pour les fumer, ouais. Alors, on a des mètres de fer et d'aluminium et des bandes de magnésium ici au village, mais je ne sais plus. Il y a fait son truc encore là. Oh, qu'est-ce qu'on a ramassé du coup? L'aluminium et un chalumeau. Oui, c'est ça. Okay. C'est pas anodin, donc du coup, peut-être qu'en vrai, il va peut-être avancer. Oh putain, tu m'as fait peur. En gros, je vous expliquerai, mais j'ai fait en sorte d'avoir un site pour avoir vos streams en même temps pour voir vos épreuves de chacun. Ah, c'est stylé ça! Je monte à l'étage, là, il y a peut-être un truc à récupérer, à savoir une carte d'identité. Si descendre à l'étage, ça va être compliqué. Bon, Non, mais Nox, ça, c'est ma phrase, ça. Ah ouais, voilà, exactement, de une et de deux. Il y a une carte d'identité. Oh, il y a un autre tentacule monster, là, en bas. Hashtag droit d'auteur, mon pote. Ah, un petit papier. Ah, petite carte. Wow. Ok. Oh, Yamsi. Oh, Yamsi, putain. Quel remix. Un problème. Ouais, j'ai un problème.
Ok, ça c'est cool en tout cas. Bon, allez, go avancer. De toute manière, il n'y a que comme ça qu'on va. Il est là-bas, l'autre, je le vois. À gauche, il y a un truc là-bas. Let's go. C'est là qu'on crafte le truc, les gens. C'est ici. Ouais. J'ai déjà mis les trois ingrédients dedans. Il manque plus que l'animal de fer. Sur le stream. Ah, bien joué. Par contre, du coup, je sais pas où elle est. Et le mob, je sais pas où il est. Attends. Vous pouvez ramasser le petit sachet là. Et salut à ceux qui viennent non. d'arriver. Je t'ai dit, c'est comme bien ça. On mélange les items. D'accord. On mélange les items en fait dans le petit sac. Dans le petit sac cadeau. Sac cadeau. Okay. Et là, il manque quoi du coup? Bonne question. Comment vous avez appris la langue, les gens? Moi, c'est avec Dora l'Esport. La limaille de fer qu'il faut. À droite, il y a une baraque là à droite. Ouais, il y en a une. C'est la carte. C'est la. Oh shit, les tentacules. Oulala, Hedim. Il y a un papier ici, là. Il y a un truc à lire, collègue. Mais c'est moyen. Il y a un papier. Je n'en reviens pas de notre chance. L'ancienne mine d'argent était un échec, mais nous avons réussi à trouver de l'argent ici. Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être aussi de l'or. Mère a toujours voulu une nouvelle cuisinière. Signé Henry. Eh bien, Henry, tu m'as l'air d'avoir. Il y a des cordes. On peut se pendre? On peut se pendre, s'il vous plaît. Eh bien, putain, t'es dégueulasse, toi. Ils ont trouvé le dernier item, je crois. Ouais, du coup, on peut retourner fabriquer la termite. C'est clair. Vas-y, go fabriquer la termite. Hein. La termite sa mère. Heureusement qu'on a le stamina infini dans le jeu parce que clairement ça serait tellement chiant. Ce serait la mort, littéralement. Let's go! I got it! Trouver un moyen d'entrer dans la mine et elle nous sert à quoi la termite? Je suppose que c'est pour fumer le mob. Non, c'est pour entrer dans la mine. Il y a une porte épaisse et il faut l'exploser. Avec de la termite? Oui. Je me demande si c'est déjà l'heure. Mais les termites, c'est pas des bestioles qui bouffent le bois? Oh, y'a le mob! Ah, bah c'est cool en tout cas, du coup. C'est vraiment une famille de tarés. Je comprends pas comment il marche ce mob, il me fait peur. Bon, je me casse. Non, tu peux pas remonter là, c'est du shit. D'ailleurs, un bon. Let's go dans la mine, frérot. Hein. On la termine, on va la faire péter cette porte. Hein. Magnifique. Alors. Un fromage favori ou pas dans le chat hein. Let's go, bon, parfait. Mon fromage favori, moi, c'est le chaussé au moine. D'après toi, moi, je m'écarte. Hein. Pourquoi? Bah, de la termite en général, c'est censé exploser quoi. Bah, la preuve. On attend les autres? La preuve. Ouais. C'est Yann. Mais ils sont où? Regarde-moi dans les yeux. T'as pas d'œil. Regarde-moi dans mes globes oculaires. Dans ton casque vert, tu veux dire? Dans mon casque VRL. Ah ouais. Le mec, là, il fait un AVC là. Secours. C'est clair. Il y a une baraque là, il y a quoi dedans? Hello. It's me. Carte d'identité et un papier. Carte d'identité, ouais. Herschel a bien fait de déplacer nos activités ici. Il y a de l'or dans ces mines, je le sens dans mes os. Leroy. Herschel, c'est pas dans Breaking Dead ça? C'est pas le vieux dans Breaking Dead? Que j'ai chialé ma race parce qu'il était mort? Si, il me semble. Bah, les gens dépêchés. J'ai ouvert. J'ai ouvert la puerta. On peut rentrer dans la mina. J'ai envie de chier. C'est parti. J'ai pas celui qui fait le plus de squats. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai mal aux petites voix. Du coup, les cocos, le bourre s'assied bien au son. Hein. Ouais, ok, d'accord. Il vient vers nous d'ailleurs. Donc pourquoi on peut pas rentrer? Pourquoi? Il vient vers nous. Ah bah attends, Oh putain. Nigalo! Chut.
Est-ce qu'il va y avoir une rediff? Ouais. Comme à chaque fois, il y aura toujours une rediff. T'auras la chance, tu vas esquiver le début. En raison de danger présumé dans les environs, la mine d'argent de la famille Cyr est fermée jusqu'à nouvel ordre. Tout intrus trouvé aux abords de la mine sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Ouais, c'est la métastime. Ça sera H24 tout le temps. Écoute. En rediff, ne pas oublier. Ouais, ça fait quand même longtemps que je filme. Comment on ouvre cette putain de porte? En général, il faut attendre peut-être une journée, deux jours pour que la rediff. De quoi? Une journée pour que la porte elle s'ouvre? Ah, d'accord, ok. Ça fait long tout ça. Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait. Bien, bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Trouver un moyen d'ouvrir le portail. Oh, le bougre! Cucul. C'est lui, Messire Binouz? Mais oui, c'est lui. C'est le contrôle qu'il avait créé pour faire genre. C'est un viewer qui s'embrouille avec Inuki à l'époque. Je savais pas qui était. Mais je m'en souvenais plus. C'est ça, j'ai vu Messire Binouz tout mais à l'heure. Mais c'est honteux. Non, j'avoue que de tête, je me suis dit c'était peut-être Poufiette. Parce que Binouz, Poufiette. Je suis pas sûr que Poufou il ait un Twitch. Alors, on a pas de Twitch. Alors, et Rosmer. Alors, pas un truc à ramasser par ici là. Y a pas un petit, y a pas de la dynamite genre. Y a pas un truc pour faire péter ce putain de portail en métal là. Y a pas de la dynamite comme face à tout péter là. À ce qui paraît, il y a un papier là. Le bruit au cours du cas que John a pris un peu de repos. Simone l'a vu prendre une lettre, après quoi il s'est rendu compte que John était parti précipitamment. L'air très satisfait à propos de quelque chose. Je sais que lui et sa femme attendent un enfant, je me demande si c'était déjà l'heure. Bon, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils sont tous décédés et il n'y a plus personne dans ce village. On est censé trouver quoi, les amis là? Je comprends pas trop. Comment on ouvre le portail? Un portail en métal, vous l'ouvrez quand même, vous? Eh bien, il est sacrément dégueulasse, ce monstre. Un balai là-dedans, j'espère qu'il va pas me choper. Ça serait pas mal. Est-ce que je prends l'accent toulousain parce que j'ai peur? Complètement, les amis. Alors, il y a le problème. Il y a le problème, collègue. Hein? Il y a le problème. C'est bien, il y a strictement aucun item qu'on peut choper. Leroy, c'est d'en haut, ça. Leroy Jenkins! Holy shit! Bon, ça, il faut que j'arrête de gueuler, en fait. Pour ceux qui ont la rêve de WoW, jeu de cœur. Pas la rêve de WoW. Ah, bah, c'est un personnage qui s'est bien fait connaître par tout le monde. Hein. En ayant troll tout un groupe de raids. Hein. Est-ce qu'on est censé retourner sur nos pas? Ah, bah, bien sûr. Bah oui, il faut l'appel. Bah putain, Casper, il creuse bien. Un seau de terre. Mmh. Et alors? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec un seau de terre? Écrit trouver le moyen d'ouvrir le portail. Ah, il y a un papier là. Papier. Holy shit. Il y a un truc à faire par là, peut-être? Tout à l'heure, celui-là déjà. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ici, y'a quoi? Y'a plus rien à faire, là? Non. Nox, on a trouvé un seau de terre. Faut faire un truc avec, mais je sais pas ce que c'est, parce que l'objectif, c'est pas mis à jour. J'ai du mal à comprendre ce qu'on peut faire avec ça. Je pense qu'il y a pas une baraque un peu plus loin, là, qu'on... Non, on les a toutes faites. Non, mais c'est, à mon avis... Si vous trouvez des cartes... Oh, putain, il est juste là. Mmh. Où ça? Oh, hello. Ah, il vient vers toi, Ophélie, il vient vers toi. Il se transforme en plante. Ah ouais, il s'allonge. Wesh! Ça va faire une explosion, il y a les portes. Ah, d'accord. Moi, je dis... Ah. Les gars, il y a le monstre. Oh. Donc, il était en train de regarder, il y a une explosion. Il y avait le monstre à 2 mètres de lui. Sinon, mais ça y est. Allez, vamos. Mais putain, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. J'ai chopé un seau de terre, je me suis dit, mais comment ça, un seau de terre, ça va démarrer, là? Ah, mais non, c'est du charbon, je suis con. Ah, là. Ouais, c'est parti. Vamos en la mina. Et le charbon, non? Je flippe, à chaque fois, j'entends un son de moustique, maintenant. Pourquoi? Il y avait un son de moustique, la dernière fois qu'on a pris un screamer? Non, c'est que la dernière fois j'ai dit qu'il y avait un son de moustique, imagine le moustique c'est un mob.
Et boum, Sol, vas-y, anime mon stream, je dois revenir, je vais aux toilettes ici. Ah, tu vas aux toilettes? Mais que fais-tu aux toilettes? C'est surtout tout nu en plus. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce bougre est toujours nu, et du coup, ben voilà, c'est tout. Pourquoi tu parles de toujours nu? Pourquoi tu parles de choses bizarres au moment que j'arrive? Oui, là, ce monsieur qui est absent, là, j'ai un problème de connexion sur les lives sauf le tien. Ah, d'accord. Bah écoute, apparemment, vous avez des problèmes de live, les cocos. J'ai un problème de live? Oui, c'est ce que me dit Scott Lydia. Elle a un problème de live sur vos lives à vous, mais pas le mien. Pourquoi? Qu'est-ce que... Mais Serbinous, tu m'entends ou pas sur tu m'entends bien ou pas sur Twitch? Non, c'est chez moi. Ah, d'accord. Donc, apparemment, c'est que je suis... Ah, ok, d'accord. Okay. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à me dire du coup s'il y a des problèmes au niveau du son. Alors maintenant que nous avons déplacé l'ensemble de nos activités, nous devons décider ce que nous allons faire de l'ancienne mine d'argent pour récupérer une partie de nos pertes. Avant que nous n'achetions le terrain, il était prévu d'y construire. C'est donc sur la mobilette ou quoi? Tu m'entends? Mais Serbinous. Pas de cimetière digne de ce nom pour l'approche. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Herschel, c'est le mec dans The Walking Dead, ça fait deux fois que je le dis. Bon, allez, venez dans l'ascenseur là. Herschel, on voit ce... je vous le dis, hein. Oui. Se promener dans le coin la nuit quand nous dormons. Ah, ouais, voilà. Ça serait sympa. Bah, c'est The Walking Dead en fait, c'est calme. Peut-être labyrinthine, ça serait aussi de stream Eldriver. Il s'agissait bien de lui. Eldriver, ah, bah, ça va être la période où je vais être tout seul. Déplacer ne serait-ce qu'une roche en plus pourrait tous nous tuer. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver au chômage. Jesse qui a écrit ça. Jessica. Ah, mais c'est pas le père. Le père Herschel? Oui, c'est ça. Depuis quand? J'ai une carte ici. Une carte d'identité. Une carte d'identité. Par Joanne. Par Joanne, il y a un truc à faire là, les gars. On va mal s'entendre. Allez, c'est parti. Il y a un truc à activer là. Ouais, mais l'active. Oui, oui. On va descendre dans les mines. Ah, on descend. Oh shit. Je sais pas pourquoi, mais je sens. Sol, prépare-toi à crier. J'espère qu'on est tous majeurs ici. Hein. Regardez-moi ça, comme on est beau. Regardez-moi ça. Je suis accroupi, la seule chose que je vois, c'est des gays. Holy shit. Ta mère la pute. Il a failli sortir, Sol, j'ai entendu. Les mamans, sale foyer. Trouver une autre source de lumière. Oh merde. Bah écoute, tu es servi, j'ai crié déjà. Allez, sérieux? C'est parti. Ah, j'ai pas entendu, putain. Merde. Vous avez bien entendu? Non, j'ai pas entendu. Shit. Léon, laisse passer les hommes, s'il te plaît. Ton micro, il a fait comme celui de l'Istalie, il s'est... Pourquoi j'ai plus de lumière, là? Les lumières, elles marchent plus, faut en trouver une autre. Autre source de lumière, ils ont dit. Super. Ah, si. Ah, voilà. Si, là. Y a plus rien qui marche. Oh, l'enfer. Putain, c'est ça. T'as rien vu. Oh là là, c'est tellement mieux. Clairement pas. Cet ascenseur est un piège mortel. Je ne serais pas surpris qu'il se détache un jour de son câble. Non, jure. Non, c'est vrai. Oui, c'est bien, ça. On voit quand même de loin, quand même. C'est quoi que tu faisais là? Pourquoi ça faisait... Je mets... Ah, mais t'as des bonbonnes. D'accord, ok. Ouais, mais attendez, à droite, il y a un espace, là. Tout droit aussi, t'as un espace. Hein. Ouais, mais d'abord à la droite. Il y a une radio, point de contrôle, encore. Il y a de la dynamite. Ok. Alors Lydia, si jamais, je suis un énorme foussard, donc c'est normal que tu me comprennes. Non mais qui n'est pas un foussard dans ce groupe, à un moment, on s'est bien trouvé, hein. Exactement. On a commencé sur Phasmophobia, je vous rappelle, hein. Oui, c'est vrai, ça me rappelle des souvenirs, ça, d'ailleurs. Quand j'ai demandé, est-ce que vous voulez rejoindre le Discord, il y a des gens qui sont sympas, là-bas. Comment tu fais de la pub? Non. Non, en vrai, si je faisais de la pub, je mettrais ça dans le lien. Je vais bientôt. Oui. Bref, du coup, vous allez bien, sinon. Ils sont chelous. Ouais, non, mais ça, c'est dans toutes les maps, seul. Ah, y a un papier là, y a une carte d'identité. C'est pas par là qu'il faut qu'on aille alors. Ouais, c'est un cul-de-sac. Montrez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Je me chie dessus. C'est. Je trouve que t'as juste chance. Attends, chute. J'ai un pote qui a joué à ce jeu, il avait tout le temps peur. Ah, tu m'étonnes, oui, c'est normal. Ah, bah ce jeu est terrifiant. Mais le fou. Je sais où il faut qu'on aille, suivez-moi. Je sais pas, tous les flèches se pointent par là. Hein. Ah, j'ai l'impression. Holy shit. Vas-y, Maxor, passe devant, toi qui es un homme. Pas d'insultes sur mon live.
La musique, la musique, moi j'ai pas de musique. Ah, la musique elle est terrifiante, hein. L'ambiance est terrifiante. Vous avez laissé la musique, vous? Non, mais surtout, j'ai laissé la musique. Moi, je suis toi à 100%, je t'ai dit. Ah. Y a pas de musique. Ah, il est maman aussi. Oh, je suis tendu là, à tout moment, il y a un truc qui surgit. Vous êtes au courant que si on parle, on est fait qu'être à coup pris, ça ne servait tout le temps à rien. Je sais. Mais bon, pour le contenu, il faut parler pour le content. Trouver des manivelles. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Tu es le genre de personne qui aime l'idée de la transition. Ok, le mec il s'est transformé en un truc dégueu, je suis sûr. Là, il y a un icône qui dit de ne pas utiliser nos lampes. Il y a un truc qui arrive. Où ça? Où ça? Éteignez vos lampes. Il voit que dalle. Attends, chute. Oh, c'est derrière. Je vois plus rien. Non. Oh shit, attends, tu ressembles à quoi mon ref, fais voir. Oh mon dieu, ah mais t'es un mec en fait. Donc on n'est pas censé utiliser de light et on est censé se repérer dans le noir. Y'a pas un petit problème là? Putain de merde. Au secours! S'il vous plaît, je saigne! Aidez-moi. Oh. Bon, j'abandonne, hein. Oh, en même temps, c'est terrible, hein. Là, ça va être encore un niveau où on va se faire chier parce que bah. Ah, quoi. Putain, c'est une dinguerie. Je comprends pas le principe de. Il fait tout noir, il y a qu'une seule lampe qui marche, et dès qu'on arrive à ce point-là, faut pas l'utiliser parce que sinon le gâteau voit. Bah. On... En vrai, je me demande si c'est pas contradictoire avec ce qu'il nous demande de faire. En fait. Non, clairement, je l'ai allumé. J'étais dans le noir, il me voyait pas, je l'ai allumé, il m'a vu direct. Voilà, donc. Il y a un seul qui est pas mouru. Bah, Sol, il est parti à droite, il a raison. Il était sur la gauche, faites gaffe. On va moins faire de bruit. Après, il est pas très rapide, je pense qu'on peut lui échapper. Oh mon dieu. Courait. Putain, j'étais en train de boire, moi. On va faire des trucs comme ça. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il est plus rapide que nous. Non. Sans déconner. Alors, moi, je vais sur la droite, vous me trouvez pas, d'accord? Il peut pas nous suivre ici. Ouais, faut pas nous suivre. Foiré. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Il est là, par contre, je pense que jusqu'à maintenant, c'est le plus flippant. En vrai, l'ambiance. Non, dans non, le plus flippant. Non, son cri est moins flippant que les autres. Hein. Ouais, celui qui me faisait le plus flipper, c'était le cochon. Le cochon? Ah ouais? Non, moi, c'était. Le cochon, on l'entend arriver. Moi, c'était l'alligator. Parce que l'alligator, on l'entendait pas. Il est juste en face là, moins que ce soit des sticks de. Pas... Non, c'est des glow sticks qui bug, t'inquiète pas. Tu l'entends marcher, il a des gros buts de pas. Allez. Merde, je me suis. On va avancer. Il est pas loin. Putain, fait chier, on est censé marcher comment dans le noir? Une lampe torche marche pas? Oh l'enfer. Faut croire que non. Non, il y a vraiment que ça. Il doit y avoir un truc dans l'atmosphère qui. Oh, bien joué, bien joué. Seul à trouver une manivelle. Ouais, mais je comprends pas comment il survit en fait. Trouver une autre source de lumière. Allez, qui... moi je vais sur la droite. Il est à gauche, de toute manière, le mob. Oui. Hop là, je vais éteindre la lumière. La même, je te suis.
Non, c'est pas possible. Je peux pas. Suis les rails, tu vois au sol. Ouais. Que dalle, tu vois que dalle. Au secours, Noxer, au secours. Putain, je vois plus rien. C'est terrible, suis Noxer, suis Noxer. En vrai, on sait très bien qu'il était sur. Non, bah t'as trop de à l'opposé de nous, donc du coup, on risque rien là. Non, chute. Qu'est-ce qu'on coule ? Tu m'as fait peur, Sion. Chut. Je sais pas s'il entend les bruits. Si, je pense. Ah, ça lui est mort. On l'a pas entendu crier le mob, hein, donc il est loin. Le niveau, on a plus que Sivir. Ah bah écoute, voilà, un mob de merde. Bah, dimanche, c'était comme pas ça. Pas de lampe torche, regarde, à partir de ce moment-là. Essayons de les éteindre. Ouais, mais en vrai, je me... À moins que la lampe torche puisse faire exploser quelque chose. C'est pour ça qu'il nous demande de... Mais par contre, non, c'est un dédale de chemin, quoi. Recule. Courrez. Oh ok, il est sûr, j'en profite pour l'ailleurs. Seul à trouver une manivelle, il faudrait que je trouve le reste. C'est pas une manivelle, ça. Allez. Dans mon coin, je déteste ça. Eh ouais, forcément. Ah. Ce n'est pas une manivelle, c'est un cul-de-sac. On va y arriver, chat. J'y crois. Tant qu'on reste loin de lui, il se passera rien. La map est gigantesque, bordel de merde. Comment je suis censé faire ? Manivelle, allô. Faut aller derrière ces trucs là. J'en ai aucune idée. J'ai pas l'impression. Peut-être que oui. Où vais-je? Que dalle. J'ai mon jeu de la luminosité à 100%, j'y vois que dalle. Droite ou gauche, toujours droite, on l'a dit. Il est pas loin. J'ai envie de chialer. Sur ma droite. Je vais courir dans ce sens-là. J'ai aucune foutue idée de où je vais, mec. S'il vous plaît. Et des flèches. Par là ? Tout gauche, la bordel. Mais la map est gigantesque. Allez, SVP. Donnez-moi une manivelle, quelque chose. Elle ressemble à quoi, ces manivelles, déjà ? Oh, mon Dieu. La fin. Ceci est la fin de Sid le paresseux. Il faut croire que ça, c'est pas un levier. Là. Je vais canner.
Je les ai tous perdus, je crois. Il est juste en face, il arrive. Mon Dieu. On va attendre dans le noir chat. J'ai pas envie de me faire voir. Viens pas vers moi, s'il te plaît, ne viens pas vers moi. S'il te plaît, ne viens pas vers moi. Désolé, je suis extrêmement concentré. J'ai le couleur code. Besoin d'une clé, je trouve un portail. Je me chie dessus au moins de bruit que j'entends. Alors c'est moi qui donne mes logistiques. Ne lui dis pas que c'est qu'un seul endroit pour y arriver.
4 manivelles. Oh non. Ça n'est plus mort depuis. Il est tel, ma main. Je vais jeter un coup d'œil ici. Tu es dead. Pauvre tel. Je n'ai aucune foutue idée de quoi ressemble le levier. Je n'ai aucune foutue idée de où je dois aller. Nox, pourquoi tu mets des rouges, bordel? On a dit que les rouges c'était là où il fallait pas aller. Oh merde, merde, putain! Je pensais que j'avais remis les vertes. Non, parce qu'à un moment je suis tombé sur une zone. T'as trouvé un levier ou pas? Ah, j'ai un flashback. Ah, bah y'a un truc là. C'est bon. Non, mais je viens d'arriver dans la zone aussi. T'es tout seul depuis tout à l'heure? Ouais, je suis tout seul depuis tout à l'heure. J'avais trop peur en fait. J'ai trouvé une. En fait, quand il nous a vu, j'en ai profité pour aller de l'autre côté et j'ai couru. J'ai été à l'autre bout de la map, mais j'ai rien trouvé donc je sais pas où aller. Toi, t'arrives de là, du coup, bah vas-y, go à gauche alors. Ouais, mais en fait c'est immense. Hein. Alors, c'est immense de une, de deux, le mob, je l'entends pas, et de trois, je me chie dessus. Voilà, c'est bon. Alors, c'est bon pour toi. Mais clairement, là, actuellement, j'ai dû changer deux fois de pantalon déjà. Bah non, ça, j'étais pas censé le dire. T'inquiète pas, ça va être clippé. Ah putain. Ça va. Donc, les manivelles, ça ressemble à des volants de bateau. Putain, on va devoir se split. Ouais, non, on se colle. Non, restons ensemble, en vrai, parce que c'est chaud de se retrouver en vrai. Oh non, mais laisse tomber, mais avec les glow sticks. Ça fait peut-être 10 minutes hein, que je marchais tout seul. Hein. Ah, moi pareil, ça doit faire 5 minutes, je pense, facile, hein, depuis que. Bah, depuis la dernière fois qu'on s'est quitté, quoi. Ah, mais moi, je trouve rien. Plus effrayant ce mob là, même si tu le vois pas en fait. C'est parce que justement, tu le vois pas. Holy shit! J'ai crié très fort intérieurement. Très, très fort. Donc du coup on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Droite, y'a des flèches là, y'a des flèches à droite. Attends. Je mets juste des rouges ici. En fait, t'as vu pas mal de lumière rouge toi aussi. De lumière rouge. Ouais, c'est, ça a l'air d'être... Ah les torches, oui. Ouais. Ah, y'a une flèche à droite. Et y'a déjà des glow sticks, donc quelqu'un y est allé. Ah, ça doit être moi ça. Oui, parce que je t'avoue, franchement j'ai fait un tour mais t'imagines pas. Donc à la demi-tour alors. Faut qu'on aille sur la gauche. On n'a pas de nouveau de sol et Ophélie non plus. Je pense qu'ils sont ensemble. Je
Je pense, en vrai. Mais ça fait un petit moment que personne n'a été tué, donc du coup... Ouais. Quoi en face ? Si on allait à l'opposé des flèches. Je comprends pas comment il marche, ouais. Le mob. Je sais pas si c'est basé sur la vision, ah, si c'est basé sur le pour son. Pour l'instant, de toute façon, on l'a vu quoi, 3-4 fois, hein, jusqu'à... Ouais. Là, maintenant, on va éteindre. Pourquoi ? Attends. Attends, il y a la lumière bleue là-bas, là. Tu la vois ? Non. La lumière bleue là-bas, tu la vois pas en face ? Ah, je la vois, je la vois. Attends, mais il y a des gens, il y a de la lumière... Non, mais je crois que ça doit être un objectif, non ? Potentiellement. C'est quoi ce bordel ? What ? What the fuck, mec ? Mais c'était pas comme ça avant. Il s'est passé un truc là, c'est quoi ça ? Papine gauche d'une force pour déposer le plus de joystick possible, si vous saviez. Attends, je retourne sur mes pas. Faut pas qu'on se split, c'est pas la bonne opération là. Oh, c'est qui ? C'est moi. Ok, putain. Il y avait quoi de ton côté ? Il y avait rien à droite ? Non, j'ai juste lu quelque chose. Du coup, là, je vais y aller. Ah ouais, tu fais même pas de lore et tout ? Ah ouais. Le lore ? Ah mais t'inquiète. Hein. Le lore, je le connais bien. Le lore, c'est de survivre déjà. Déjà, ouais. En vrai, si le mob n'est pas sur nous, c'est qu'il doit être forcément sur... Peut-être. Ah, grande zone. Grande zone. Qui dit grande zone dit sûrement non, manivelle. Fait. Ouais, ah non, il y a des rouges là. Il y a des sticks rouges. Ah merde, c'est à moi ça. Ah, il y a une carte d'identité là. C'est la première fois que tu viens ici, toi, je crois. Ah merde. Bon bah, demi-tour. C'est moi. Non, c'est moi ça, c'est moi. Oh, bon courage. Je sais pas s'il court plus vite que nous ou pas. Ah ! Ça va, ma main ? Ouais, il court un peu plus vite que nous. Moi, je m'en fous, je ne me retourne pas. Ah bah, il est sur toi, il m'a ignoré. On va faire genre on a rien vu, hein. Ouais, c'est une bonne idée. Donc il était sur nous. Je n'ai pas trouvé une seule manivelle. Ça, c'est un petit peu un problème, si tu veux mon avis. La chance, effectivement, ce que tu dis, comme tu dis, ouais. Je n'ai aucune idée donc sous les autres. Je suis terrorisé. Il est vraiment passé à côté de moi en mode j'en ai rien à faire de toi. Oh, il y a un passage là. Il y a un passage. Il y a un téléphone. Je peux pas appeler la police, putain! Oh! S'il vous plaît. Gauche ou droite? Gauche. J'en sais rien, frérot. On va lâcher le plus de joystick. De joystick, de glow stick. Faut j'arrête de dire joystick, bordel de merde. Ce n'est pas un pad. Oh shit, il me suit. Oh shit, il me suit. C'est où je suis. Je pense qu'il entend le bruit de pas. Bon bah, mort pour mort. Allons-y, hein. Gauche ou droite ? Tout droit. C'est un cul-de-sac. Non, ça n'est pas un cul-de-sac, je vais à droite. Voilà. On s'y retrouve. On s'y retrouve, MDR. Je veux dire, on s'enfonce un peu plus dans le maze. Des glow sticks bleus. Oh, fuck ! Mais il est toujours derrière moi, ce bâtard. Pas de lanterne. Pourquoi donc ? Non mais je m'en fous, pas de lanterne. Tête de ma mère que je continue.
de Sic Rouge. Je reviens sur les pas de Noxer. C'est pas grave, on va essayer de les retrouver. La flèche, elle indique un sens, mais... Oh mon dieu... C'est le spawn, ça. Ça, c'est le spawn, si je vais là. On est bien d'accord. Oh boy. Oh boy. I'm lost. Oh shit. C'est bien le spawn. En fait, les quatre manivelles qu'on a, elles vont servir à se repérer. Non, les quatre manivelles qu'on a, il va falloir les amener à l'endroit que j'ai trouvé tout à l'heure sans faire exprès. PTDR. L'endroit que j'ai trouvé tout à l'heure sans faire exprès. C'est bien ça le problème, c'est le sans faire exprès en fait là. Je me demande si ça c'est des cachettes ou quoi. Quoi qu'il en soit, je n'ai croisé personne. Faut y retourner, faut y retourner. Je ne sais pas où est Sol, je ne sais pas où est Félix, je ne sais pas où est Nox. Je ne sais pas où est personne. Est-ce que le fait d'être accroupi n'attire pas le mob? Je n'en ai aucune idée. Il est vraiment pas loin. C'est relou en fait. Allez, on y va à l'aveuglette, c'est pas grave. Nous avons le chemin de la destinée, le chemin des glowsticks. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Ces bruits de pas que j'entends, je comprends pas. Y'a pas de manivelle ici, non, là c'est là où je suis mort. Y'a un passage là. Vas-y, go. J'y suis. Il y a un endroit où je peux monter là, il y a quoi? Ah non, c'est juste un passage, d'accord. Et là, pourquoi il y a une flèche rouge là? Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? J'ai aucune idée de où je vais, je n'ai aucun repère. Ce bruit que j'entends, est-ce que c'est l'ambiance ou est-ce que c'est le mob qui marche? Je comprends pas. Oh. Ok, ok, ok. Ok, ok, on est pas mal. Il y a une flèche vers là, je vais aller vers là, je suis sûr. Quelqu'un est déjà passé par là, en l'occurrence c'est peut-être moi ou un des autres. J'en ai aucune foutue idée. Oh, tout droit. Ah. Il est juste là, il est juste là, il est juste là, il est juste là, il va me voir, il va me voir, il va me voir. Cours, putain, mais pourquoi tu dois trottiner? Sur mon cul, je suis persuadé qu'il entend quand on marche sur les rails, je suis persuadé, et je suis persuadé que je suis mort dans ce cul de sac de merde. Allez, on a plus qu'à prier. On va attendre dans le coin, gentiment. Oh, il a fait demi-tour. Est-ce qu'il est vraiment attiré par les lampes? On va essayer. Eh mon ref, viens par là. Est-ce qu'il va revenir? Il a fait demi-tour, on rappelle.
J'ai pas l'impression. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un cul-de-sac, il va falloir en sortir. C'est dommage qu'on n'ait pas de chat in-game ou de talkie-walkie, qu'on sache en fait qui est mort, qui n'est pas mort. Il nous reste que 3 vies, hein, by the way. On va ressortir sans outil. Lisez la torche. Allô. J'ai très peur. J'ai extrêmement peur. Ça ne se voit pas, c'est normal. C'est en bas qu'il faut regarder. Mais bon, en bas, il n'y a pas de... Il était en face de moi, j'ai eu trop peur. Il semble qu'il est passé à droite. À ma droite, hein, pas ici. C'est lui en face, là ? Je me demande si marcher dans, sur les rails, ça fait vraiment un bruit distinct pour lui. Et du coup, c'est ça qui le force à venir sur nous. J'en ai aucune foutue idée. Écoute, on va suivre. Écoute, je vais essayer de voir où est la dernière manivelle. Passons par la gauche. Par la gauche encore. Essayer de se rapprocher le plus possible de ce dernier passage qu'on a vu et qu'on n'a pas pu atteindre à cause des cailloux. Dans la zone où il est, de toute manière, j'ai envie de te dire. Je vais pas m'arrêter de courir, je pense pas que c'est une bonne idée de s'arrêter de courir. Une flèche qui m'indique dans l'autre sens, ça ne me dit rien qui vaille. C'est pour ça que je vais continuer tout droit et tomber dans un cul-de-sac. Oh, carte d'identité. 9 sur 20, on en a beaucoup plus que dans tous les trucs réunis. Ça va, ma mène ? Tu peux pas lui échapper, c'est relou. Ouf. On est dans la merde. C'est... Ouais. C'est véridique, c'est la merde. Je ne vois pas un moyen pour nous échapper. On n'a aucune arme, on n'a rien pour se défendre. Dès que je garde la lumière, il me voit. Dès que je la garde pas, il me voit. Je comprends pas ce mob. Est-ce qu'il faut vraiment juste lui échapper ? Ça me paraît très bizarre. Il faut être accompli, peut-être.
déteste ce mob, qu'on soit clair. Ce que bouger là-bas. Je vais vers lui comme un gars très intelligent. Hello? Y a quelqu'un? Je n'ai pas été en face. Laisse-moi réfléchir. On est sur une map où le mob nous voit. Il n'a pas à nous entendre. J'ai envie de chialer. C'est passé par là. Où est ce putain d'arrêt manuel? Allez, please, donnez-moi quelque chose. Oh! Un point de contrôle. Dieu merci. Je dois trouver les manuels en demande ici. Va te faire voir. Et elle est où la dernière à ton avis? Hein? Elle va être ce côté, c'est le côté que j'ai pas fait. Droite. Du sac. Allez, on la va la choper. On va la choper. Face de moi, vert. On va déjà passer par là. Donc c'est à gauche. Du sac. Vous allez me dire quoi? Qu'elle est pas sur la map? Oh, j'ai rien dit. Pas sur la map. Allez. Allez. Oh. J'ai envie de tout péter. Retour la lumière bleue. Oh, Noxer! Oh putain, bonjour! Putain, mais ils sont où les deux autres, frérot? J'en peux plus. J'ai trouvé la sortie! Je suis mort beaucoup de fois. Derrière toi! Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Non, mais c'est pas ça, c'est que si l'un de nous demeure, il nous reste une vie, quoi. On a zéro, ouais. On va essayer de le semer. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Faut éteindre la lumière. Ouais, mais non. Il nous a perdu, c'est bon, il nous a perdu.
Que dalle. Alors, tout à l'heure, je suis tombé sur Sol et Cathy. J'ai trouvé un point de sauvegarde, au fait. Hein. Ouais, j'ai vu. Enfin, ouais, ça. Il est là-bas, le point de sauvegarde. Je sais pas s'il peut venir jusqu'ici. Je pense que oui, mais. On a toujours pas trop. Oh, nice. En gros, la sortie. Trouvé la dernière manivelle. Non, mais en gros, la sortie, c'est là. Et là, il te dit j'ai besoin des manivelles avant de me rendre ici. Et là, d'accord. On est mort parce qu'il y a le mob derrière nous. Adieu, Noxer. Adieu. Oh. Il peut pas venir! Oh, let's go! C'est excellent. Bah oui, parce que let's go. C'est un point de contrôle. Ça a pris du temps, mais nous avons finalement terminé les rails. Oui, c'est ça, ouais. Du wagonnet que Herschel voulait. Quoi qu'il ait trouvé, ça doit être bon. Ça fait longtemps qu'il ne nous avait pas autant mis la pression pour une telle bah, forcément, frérot. Et si c'était de l'or, peut-être que maman aura enfin sa nouvelle gazinière. Ah, oui, super. Avec de l'or, j'achète pas que qu'une gazinière. Moi, je vous disais un PC gamer. Un PC gamer avec de l'or. Je le fais d'or. Oh. Du coup, je suis pas allé voir. Ok. Ah ouais, en fait, soit on attend ici qu'il chope la manivelle, ce qui risque peut-être d'arriver. Soit on y retourne, mais il y a le mob à gauche là. Non, c'est bon, il est plus là. C'est où que t'es allé du coup? Bah là, en fait, là j'allais vers toi, ça ramène la lumière bleue, j'y suis allé, et là, j'y suis pas allé à gauche là. Le problème, c'est que c'est là où il est quoi. La manivelle doit se trouver là quoi. J'en sais rien, on sait où aller pour échapper au mob en fait. C'est ça. Il viendra pas. Si on le voit d'assez loin, il pourra pas nous choper. C'est ça. Putain, mais par contre, comme on est tous d'accord, c'est la pire zone. Ouais. Trop chiante, le mob te voit trop facilement et je suis désolé, t'as aucun repère. C'est exactement ça. On retourne sur nos pas là. Ouais. Ça veut dire qu'en fait on était pas très loin de la fin. Ouais. Mais là on a tourné à gauche tout à l'heure. Ouais. Bah écoute, go y retourner hein. Au point où nous en sommes. Ici. Vous trouvez des endroits où nous ne sommes pas allés. Bah en fait j'ai l'impression qu'on a tout fait quoi. Non, il y a d'ailleurs 2-3 routes qu'on a pas faites, il y a des cul-de-sac là. Ouais. Vas-y go à droite, écoute hein. Ah bah il va respawn ou à la sortie. Il va respawn ou elle. Ou peut-être que du coup ils vont nous regarder en spec. Peut-être, j'en sais rien du tout. Mais quoi qu'il en soit là, à mon avis on va pas s'en sortir. C'est la première lumière fois bleue. Là on est de retour là où t'étais tout à l'heure. Il y a pas le mob. Faut qu'on aille à gauche, à droite du coup c'est la sortie. Ouais, c'est un bordel. Il y a des flèches contre les murs mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire ces flèches. En fait, ça doit dire. Oh! À gauche. Si on y est allé. C'est le mob ça ou c'est une lampe? Non, c'est une lampe. Mais parfois j'ai l'impression que c'est vous, mais non, en fait c'est le mob quoi. Non, oui, le mob. Ah, mais le mob il est visible. Hein. Ah! Pourquoi il te dit de pas mettre les torches? On y voit que dalle, espèce ah, de. Ici, là. Là on n'y est pas allé. Ici. Vas-y, ouais, let's go. Ça doit être là, je pense. J'espère. Attends, il y a des lumières en face. Hein. Ouais. Oh putain. Fais chier, putain. Attends, chute. Cours! Cours! C'est où aller du coup? Ouais, lumière bleue, on part à gauche. Attends, c'est à droite là? Ici, c'est ici. Vas-y, viens. Oh putain. C'est moi ou il est plus rapide que nous? Mais clairement, parce que tout à l'heure il m'a chopé. Hein. Vas-y, continue, toujours derrière. Boum. C'est ici, je t'ai suivi ici. Ouais. Et c'est tout droit. Il est toujours derrière nous? Ouais, il va nous suivre de toute façon. Putain. Voilà. Oh merde. Oh merde. Oh shit. Oh mais ici on y est pas allé. Tout droit. Attends, vas-y, reviens. Il arrive. Cours. Putain, merde. Attends, y'a quelqu'un? Oh non. Je vais die là. Je vais die.
Putain, let's go. Bien sûr, espèce de fils de pute, ouais, tu bois derrière un poteau, y'a pas de problème. Non mais sérieux, jeu de merde. Va niquer ta race, donc il entend le bruit. Non, c'est fini, qu'est-ce que je te dis? Je peux pas abandonner, ouais, bah c'est terminé. Adieu. Adieu, qu'est-ce que je te dis? Oh putain, c'est relou, je déteste. Salut Frozix, comment ça va? Frozix. Frozix, ton pseudo, c'est quelque chose. Frozix. Damien ? Monsieur Mazzy, c'est lui ? Sale ! Il est encore vivant. Donc, Sol est encore vivant. Et Ophée est encore vivante. Je suis le seul connard qui est mort. Un plaisir ! Je vais utiliser les yeux de personne de mes yeux asiatiques pour essayer de deviner si le monstre est là. Ah, c'est Raph, c'est vrai, putain. Sur RL ? Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu... bah, je rage, ouais, ça me casse les couilles, frérot. On est sur un mob, c'est beaucoup trop dur, leur jeu, là. Le labyrinthe, il fait 25 km. Il nous donne une nouvelle source de lumière parce que les autres lampes marchent plus. Et quand tu rentres dans le labyrinthe, il y a des symboles qui te disent de pas l'utiliser parce que sinon, le monstre te voit. Ouais, d'accord, mais on n'est pas censé le faire dans le noir. Et puis, le mob, il te voit alors que... Oh, est-ce qu'il a trouvé la sortie ? Allez, Sol, je crois en toi. Il nous reste plus qu'une putain de manivelle. J'espère qu'ils vont y arriver. J'espère qu'ils vont y arriver. Je sais pas où aller cette manivelle, mais vraiment, ça commence à... Sinon, comment ça va toi, Raph ? Qu'est-ce que tu racontes ? Noxer. Putain ! Oh boy. On va jamais y arriver. Coupe ta lumière, essuie les bleus. Ouais. Normalement, c'est tout bon. Rattraper. Il court trop vite. Vas-y, vas-y. Mets-le en axe. Bah, let's go. Bon, bah. Je sais. En fait. On va pas aller par là. Il est pas normal, c'est un cul-sac. On va mourir là-dessus, je crois. Trop compliqué. Les monstres là. Mais il entend revenir sur ses pas, Sol. Mais je suis ici. Mais bon. Oh, il est cuit. Oui, demi-tour. Il est foutu. Tu trouves pas les hommes, mais tu trouves des cas. Ouais, t'as vu, t'as... c'est incroyable, non ? J'ai trouvé des bonnes choses, hein. Ah, je comprends pas comment il marche, en fait, ça me casse la tête. Dis-moi pas, tiens, par là, connard. Viens par là, connard. Ouais, nickel, c'est quand on se fait un Dead by Daylight ? Oh ! Mec, ce jeu Dead by Daylight, ça fait un moment que je l'ai pas lancé. J'ai tenté un truc. Non, Sol, je suis mort comme ça, c'est la pire idée. Masterclass. Masterclass, tu vois, masterclass. Il va se faire bouffer. Il va se faire bouffer. Ou pas ? Va-t-il se faire bouffer ? On va essayer de retourner par ici. La tête de ma mère, si on doit tout recommencer. J'espère juste que ça l'élimine pas du jeu, lui. Ça ? Dommage qu'on puisse pas discuter entre morts. J'ai discuté avec Noxer pour avoir la causette un peu. Putain, je n'ai aucune idée d'où est cette dernière manivelle. Ça ressemble à des putains de volants de bateaux de Sea of Thieves, là. Bro, il est sérieux, lui. Oh, c'est terrible, en tout cas.
Il a fait le tour rapidement ou c'est où ce mois là? Je vais remettre les graphismes en haut, histoire que le jeu soit un petit peu plus... C'est peut-être pour ça que je vois pas le mob, hein. Peut-être que je galère. Ouais, ma distance de vue elle est à 70, forcément je vois pas loin. Ah putain, c'est peut-être pour ça. Parce que depuis le début je me fais brain. C'est peut-être pour ça en vrai, hein. Ça expliquerait pas mal de choses. Bon jeu à crash. Oh l'enfer. Allez! Allez! S'il vous plaît. Oh, c'est bon. Première fois? Distance de vue, 150 mètres. En vrai, est-ce qu'il ne faudrait pas suivre le chemin du monstre justement pour voir? Je dirais que ce serait de ce côté-là du coup. C'est juste pensé comme ça, hein, bien sûr. Suivre le chemin du monstre, ça semble être une bonne idée. Ça semble. Oh! Aller tout seul. Oh mon dieu. C'est la fin. C'est la fin. C'est terminé. Je suis sûr que là, les deux, là, ils sont en train de se tordre de rire à m'attendre, là, comme des connards. Qui ça? Ah, s'ils parlent de moi, Inoxpert, c'est non. Ah, je peux y aller maintenant, en soi. Oui. C'est vrai, hein, t'as raison. Hein. Mon jeu, je peux pas le mettre en meilleure qualité que ça. Je n'ai aucune idée. Bon, vas-y, bonne soirée. Demain, je taffe. Force à toi pour finir ce jeu. Ah, frérot. Bon, on le finira pas ce soir. Je sais même pas si on va finir ce chapitre. Oh, l'enfer. J'espère un peu trop, Lydia. Je suis pas trop d'accord avec toi. Là. T'es tout seul, Sol. Je repose sur toi. Montre-nous que toutes les fois où t'as survécu, c'est pas pour rien. À droite. Oh, quelqu'un. Bonjour. Elle est vivante. Coucou. Alors, j'ai trouvé la fin. Ouais. J'ai popé à la fin quand je suis morte. Sauf qu'il nous manque une manivelle. Donc là, j'ai mis du bleu, parce qu'il y a trop de vert. Le bon chemin, okay. C'est le bleu. Ok, ça marche. Donc là, mais le problème, c'est que même si on y va, il nous manque une manivelle. Elle est où? Et il y avait Nox avec moi, mais il est mort, il s'est sacrifié. Ah oui. Par contre, j'ai pas compris parce qu'on a. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir, j'essaie de regarder parce que pour voir si il est monstre ou pas. Mais non, j'en viens de là. Ouais. J'étais en train de revenir sur mes pas en fait pour vous trouver et surtout essayer de trouver cette foutue manivelle. Bah écoute, j'aimerais bien le savoir si. Du coup, ouais, il restait plus que zéro vie quand moi je suis morte. Après, il y a Nox qui s'est sacrifié. Et j'ai pas compris, ça a rien fait. Est-ce que ça ne l'a pas éliminé du jeu? Ah bah si. Ah non, bah là, on est mort en fait. Ouais, tu ripop pas en fait, je crois. Oui, je confirme. C'est-à-dire Nox, ouais. Il est mort là. Bah, oui, il est mort quand il restait zéro vie. Ouais. Donc je pense qu'il a pas ripop du coup. Putain, c'est dire qu'on est plus que. On a plus que 3 là. 3 puisque c'est Yon, il est pas remords, je crois. Je bombe bien avant Noxor, ma poule. Bien avant Noxor. Ah putain, ça me fait chier. Putain, cette manivelle, je sais pas où elle est. Faut qu'on explore, on n'a pas le choix. Ouais. En fait, ce que me disait. Le mob il arrive à droite, ça je l'ai vu, je crois. C'est que quand il s'est retrouvé avec Sion, ils ont réussi à trouver la sortie. Donc c'est là où j'ai popé. Ils avaient pas les manivelles, quoi. Mais les trucs blancs. Ouais. Je coupe ma lumière, je te laisse passer devant. Il est derrière. Aïe, aïe, aïe. Fameux truc bleu. Faites du bruit. Putain. Ça se voit pas beaucoup. Viens par là. Attends, ne mets pas de truc bleu. Ok. Mais il y a un truc bleu là. C'est tout.
qui a mis ça? Non. Ah non. J'ai commencé à poser des stickers. C'est la sortie. Hein. Je suis. À gauche, c'est un cul-de-sac. Viens ici. Oh, sa mère, cul-de-sac. Vraiment très très compliqué. Ils sont morts. Mais Noxur n'est plus en live. Si si. Oh, c'est impossible. C'est l'enfer. C'est le chaos là. Bon, bah. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais tenter le tout pour le tout, mais j'ai aucune... Il est face à toi. Il est face à toi, Ophélie. Elle est morte. Oh, l'enculé. C'est une vaste blague. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Si Seyon pouvait réussir à trouver la manivelle comme ça, moi je passe par le tunnel de fin et je TP tout le monde quoi. Tu TP tout le monde? Mais Ophélie, il te faut les... S'il reste par là, je vais jamais y arriver en fait. Elle est persuadée, Sol et elle était persuadée que j'étais encore vivant, alors qu'en réalité je suis dead depuis bien un moment. On est plus que deux. Elle est persuadée que je suis vivant. Tout seul quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je vais me faire def. Il est partout. Il est partout. Je peux rien faire. Ici, bah, je suis complètement perdue, je sais pas où je vais. Ces putains de manivelles, ouais, il nous en reste une, je sais pas où elle est. C'est immonde. C'est l'enfer, le dilemme de Cathy. J'ai envie de chialer, putain.
c'est fini. Elle le trouvera jamais tout seul. Oui. Je l'ai entendu crier. J'espère qu'on va pas tout recommencer. J'espère. C'est un point de contrôle, c'est un point de sauvegarde. Même si on meurt tous, on est censé quand même respawn. Vrai. On est quand même censé respawn au point de sauvegarde, je l'espère en tout cas. Ça me foutrait le seum si on doit tout recommencer. Elle regarde pas derrière, elle va se faire choper, je pense. Ça va être très dangereux. Je suis passé là, en fait. Ah, mais là, laisse tomber. Hein. Il y a moi qui suis passé. Il y a tout le monde qui est passé, là. Laisse tomber. C'est beaucoup trop compliqué. Ce genre de jeu, même à 4, c'est hardcore. Comment ça, il est là-bas? C'est pas les bruits pas qu'elle entend. C'est encore ma lampe qui fait ça. Non, c'est... Oh, putain, c'est ma lampe. Tu m'as dit quoi? Je préférerais faire un face mot toute seule. Lampe bleue, elle tourne en rond. Non, mais c'est dead. Hein. Sa mère, il est là. Mais comment vous voulez que je fasse? Je vais spammer, je vais en arrière, tant pis. Je vais en arrière, tant pis. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. On n'y arrivera jamais. Je suis pas prête de refaire le jeu, hein. Croyez-moi. Punaise. Je m'en doute. Je m'en doute bien. Ok, là il y a du bleu, ça veut dire que je suis déjà passé. Après, par vu qu'on a eu un point de contrôle. Moi, de contrôle. Ouais, ouais, j'y arrive, ça j'y arrive. Nous mais... restart. Oh, me dis pas que je suis revenu sur mes pas. Oh, oh je suis revenu sur mes pas. Je suis revenu sur mes pas, putain. J'ai tourné en rond. Putain. Oh, j'en ai marre. Oh, putain. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, les amis. Pas ce soir. Ouais, j'espère. Pas. Bon. C'est pas pas. Sympa mon premier stream. Oh putain, je m'en souviendrai de celui-là, putain. Bon, bah on recommence. Terrible. J'en ai marre. Terrible. Oh, l'étal, ça va. C'est la fin. Bon, alors ça veut dire qu'il faut que je passe à... C'est la fin d'Arico. C'est ah, la fin de toute coup, vie. Je fais la droite. C'est la fin de... C'est la fin de ma vie entière.
Non, c'est faux. Putain, je suis revenu sur mes pas, quoi, j'y crois pas. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui vous arrive. C'est terrible. Mais oui, j'étais parti sur la droite. En fait, là, le chemin. Bayern Arsenal, ils ont fait combien? Droite. Et après, il faut que je passe à gauche. Arsenal. Le problème, c'est que ce con, il est dans le coin. 2-2. Vous êtes des grosses merdes, Arsenal. Comprenez-le bien. Bayern plus la merde en ce moment. Je suis revenu sur mes pas. Atlético Madrid, Dortmund. Non, Dortmund, pas Fortmund. Dortmund face à l'Atlético. Parce que là, je voulais aller à gauche et j'ai pas pu. Comment ça, demain? Oh non, c'est demain. C'était quoi ça? Non, me dis pas qu'il est encore là. Le 10. Oh, c'est demain, Barcelone PSG aussi. Oh, je suis en Mongol. Je parlais sur des matchs qui n'étaient pas censés avoir lieu aujourd'hui. C'est juste fini en fait, il n'y a aucun monde où on s'en sort. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Propose. Elle est morte. De lumière. On me dit pas que je suis dans un putain de cul. Oh, non, il y a un éboulement. Putain, la loose. Je suis dans un cul-de-sac. Oh, j'ai pépé, putain. Adieu. Adieu. Il nous voit pas dans le noir, c'est une blague. C'est une putain de blague. J'ai envie de canner. Oh, j'ai envie de tout péter, putain. Terminé, hein, clairement. C'est long. Je ne sais vraiment pas quoi faire. On y croit. J'ai aucune idée d'où elle peut être, Sleval. J'ai l'impression d'avoir fait toute la map. J'ai envie de le voir si elle va le croiser. J'ai l'impression que dès que j'allume ma lumière, hop. Il sait où tu es, ouais. Je pense que ça marche comme ça.
Let's go. Je suis dans la merde. Je peux plus de ce jeu là. Sortez-moi si je spam. On va aller à droite. Oh putain, de salle. Là, tu tournes en rond depuis tout à l'heure. C'est compliqué. C'est insane. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose à un moment parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Ça va faire 2 heures qu'on lance. Ah, il est derrière moi. Je peux rien faire. Ah, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ah, je suis dans un cul-de-sac. Allez, nique ta mère. Eh ben, allez. It's over. Ah, c'est trop dur, franchement c'est trop dur ce chapitre. C'est vraiment de la merde leur jeu. C'est vraiment de la merde. Je sais pas comment ils développent leurs IA, mais vraiment les développeurs, faites quelque chose. Il y a un très gros problème sur vos IA. C'est un putain de labyrinthe, mais vraiment, là c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Ça se trouve, j'étais la dernière. Oui, tu étais la dernière. Ça fait un moment. Tu étais la dernière avec Sol. Vous étiez le dernier. Alors ça fait quoi du coup? Bah, game over. GG à tous. Ah, j'étais la dernière? Oui. Checkpoint ou pas checkpoints? Eh non, pas de checkpoint, super, bien alors. Évidemment que non. Putain de jeu de merde, sérieux. Je hais vraiment les devs, hein. Je hais les devs. Voilà, leurs IA de monstres. Qui restait Seiyun, mais non. Ah non, mais quand vous étiez deux là, quand vous étiez deux. Même 30. Avec Sol, moi j'étais déjà mort depuis un moment. Hein. Je suis mort, dis-toi, avant le sacrifice de Noxur. Ça faisait un moment que j'étais mort déjà. Oui. Putain. J'étais avec Nox, on avait zéro vie. Et bah, on s'est séparés un moment. Je me suis caché derrière un poteau exactement comme ça l'a fait. Je pensais que ça allait marcher. Le mob il s'est arrêté devant, il m'a tué. Et quand je vous ai vu cacher tous les deux, j'ai fait ah bah, il y en a des deux qui va mourir. C'est mais non, insupportable. Okay. Poésie, t'inquiète pas. Ah non, c'est mais. Juste nous, on est trop mauvais. Bon bah, désolé les viewers. Ah, ah non, mais leur IA de monstre, elle pue du cul. Désolé notre chat. Elle pue du cul. Alors, j'adore, mon premier stream, je m'en souviendrai toute ma vie. Est-ce que vous voulez qu'on refasse le chapitre 6, on le laisse pour une prochaine fois et on teste une map procédurale ou pas? Alors je préfère qu'on teste la map procédurale plutôt parce que je sais pas si on aura le temps de faire en 45 minutes. Non, je pense pas qu'on ait le temps. Le chapitre 6. Le chapitre 6, mais comment ça le chapitre 6? Petite procédurale, ouais. Ouais, c'est le chapitre 6. Hein. Ah, alors, celui-là, tu voulais qu'on le refasse là en 45 minutes, ouais, c'est ça, ouais. Non, pas en 45 minutes. Alors, sachant mais que je pense qu'on sait. Oui. Ouais. Elle m'a dit un truc, c'est que tu sais, au checkpoint, là où il y avait la lumière blanche, t'étais au fait. Ouais. Tu as des tombes. Oui. Eh ben. Ces tombes-là représentent les joueurs morts. Non. Bah non. Ah, je croyais si, que si, c'était... Je te garantis que non, parce que quand je l'ai découvert et que Noxur est encore vivant et vous deux aussi, il y avait déjà 3 tombes au sol. Donc je te garantis que c'est pas bien ça. Bien sûr, parce que ouais, on dit qu'apparemment, apparemment, ça représente le nombre de joueurs morts. Alors moi, quand je suis arrivé, il y avait que 2 tombes. Moi, j'avais vu 3. Bah non. Oui, Katia est encore vivante, ça n'a pas de sens. Non, pour moi, il y en avait 3 aussi. Hein. Par contre, cette dernière manivelle, je sais pas où elle était. Hein. J'ai fait le tour de la map de bon temps comble. Hein. Et ce mob, il me casse les couilles. Je sais pas comment il se repère. J'ai tenté de revenir jusqu'au début, mais il y a rien à faire. Il est partout. Il est tout ouais, seul. Ouais, il passe devant nous à chaque fois. L'IA, elle est codée avec le cul. Ça me gave. C'est une horreur. Franchement. C'est vraiment chiant. Voilà, ça, c'est plus chiant que le labyrinthe, clairement. C'est la première fois qu'on n'arrive pas à finir quand même. Hein. Ouais, bah après. Je comprends pas comment t'es censé le.
le battre, en fait, le monstre, parce qu'il a aucun point faible. Il t'entend, il te voit, et dès que t'allumes ta lampe, à skip, ça l'attire vers toi. Donc, Pour ça, je me déplaçais que dans le noir quasiment après. En fait, Lévi, il a. Tu mens. Comment ça, je mens, Lévi? Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, bonsoir. Il a une portée de vue très limitée, en fait. Il ne voit qu'à portée de lanterne, de sa propre lanterne, en fait. Oui, mais même. Donc ça veut dire que tu peux, de ce que j'ai compris, tu peux te mettre à côté de lui ou même derrière lui, mais il ne te verra pas. Ouais. Tant que tu n'es pas à portée de sa lumière, en fait. Et, ouais, bah moi j'ai... Effectivement, ta propre lanterne, lui, il va le voir de loin, par contre. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre. Ah, c'est éclaté au sol, t'es censé te déplacer comment, en fait? Je comprends pas, il n'y a pas de logique dans leur jeu, à un moment. À la fin, quand il m'a tué, en fait, il a fait que de me suivre. Oui, mais c'est normal, il te course après. Une fois que j'ai mis de la distance, hein? Même après avoir mis de la distance, hein, il continuera à te courir après. C'est... Quand il te voit, c'est la mort, hein. Tu peux pas lui échapper. Si, moi, je lui ai échappé plein de fois. Elle lui a échappé plein de fois, déjà. J'ai réussi à lui échapper. J'ai réussi à lui échapper aussi. Bah, moi, j'ai pas réussi une seule fois. Parce qu'il a fait que de me suivre. Après, j'ai couru, donc peut-être que ça a fait du bruit et que ça l'attire aussi. Et en fait, au final. Après, j'ai arrêté de courir, mais en fait, il était toujours derrière moi, donc bah, il m'a rattrapé et je suis arrivé dans un cul-de-sac. Et voilà. Ouais. Parce que j'avais pas mis ma lumière forcément, mais je suis arrivé dans un cul-de-sac et là, c'était fini. Tu m'étonnes. Oui. Non, bah écoute, hein, de toute façon, voilà, la prochaine fois qu'on le fera, on saura c'est comme bon, quoi. Vous êtes prêts? Bah, ouais, let's go. Alors, du coup, t'as mis quoi comme paramètre pour la procédurale? Oh, c'est du setting, bah du coup, ça va être aléatoire. D'accord, donc, mais on va être sur quoi comme map? Ça va être vraiment labyrinthe comme le chapitre 1? C'est le pire niveau. Procédural, je ne pourrais pas dire. Tu sais, ok, je sais pas, ok. Ouais. Si on se mange cette map, en procédural, je quitte. J'ai beau modifier des trucs dans les settings, mais le problème c'est que ça ne s'enregistre pas, donc du coup, vu que c'est procédural. Ok. Mais du coup, on aura quoi? On aura des quêtes aussi, des énigmes à faire? Oui, ou... oui. Sûrement, oui. Bon. Ok. Bon, bah, bien du coup, vous êtes prêts? Let's go. Oh, Valky, t'es trop mignon. 3, il a dit 2, 1, que le premier qui meurt, il me donne 5 subs. Et alors... on peut pas donner des subs. Mais... on peut pas donner de subs, personne n'est affilié Twitch. On peut pas recevoir de subs. Trouver la valve de la porte, insérer la valve, alors, trouver, tourner la valve double. Okay. Ça serait bien d'avoir 5 subs. J'ai compris que c'était pas toi, Val, qui t'inquiète. Ça serait bien d'avoir 5 subs. C'est bien de dire des trucs comme ça, tu vois. Non, mais vous ne pourrez pas avoir de subs. Vous n'êtes pas affilié. Personne n'est affilié ici. Et ouais. Tu peux nous laisser s'il te plaît? Oui, alors... Ah bah écoute, oui, rêve, y a pas de souci. Allez, c'est parti. Oh shit. Trouver une valve bleue. C'est quoi cette zone encore à la con? Non, c'est rempli de... Insérer la valve, trouver la valve de porte et quitter le labyrinthe. Okay. Je serais curieux de voir c'est quoi le monstre. Le monstre? Oui. Un alligator. Ah oh non, là, oh, t'imagines, c'est le chien. Ça me rendrait fou. Si c'est le chien, ça me... Ah, il y a une valve là. On est censé pouvoir monter là-haut? Non. Je sais pas en vrai. Oh. Oh, il y a du bleu là. Valve bleue. Oui. Nice. Ok. Yes. Trouver et tourner la valve. Insérer la valve, trouver la valve de la porte. Quelle porte? Stay away. Comment ça, stay away? Oula. Bon, le mob est par là, il y a du sang. Non. Il est déjà passé par là. Trouver la valve de la porte, insérer la valve. D'un temps de speedrun le truc. J'ai hâte qu'on vous fasse le prochain live. Bah écoute, hein. J'ai hâte aussi, d'ailleurs. C'est du coup, on n'est pas passé. Bah, normalement, ça se Nox, Nox, il y a un mob au sol. Il y a un mob au sol. Nox, il y a un mob au sol. Tout va bien. Devant toi, tu vois pas des tentacules? Il y a des antennes. Oh putain. Oh, j'avoue. C'est un insecte? Oui. Attends, mais il est immobile? J'ai pas de galets, moi, je pense.
Non, mais je compte pas y aller, moi. Mais je pense qu'on peut tourner à gauche ou à droite, hein. Il a pas l'air d'attaquer, là. Vas-y, hein, go. Je crois qu'il faut qu'on... C'est si on passe dessus, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est un insecte qui tend des pièges. Écoute. Ok. Plutôt facile à esquiver, dans ce cas-là. Ouais. Tu vas voir, tu vas être le premier à te faire avoir, je sens. D'accord, si tu le dis. À droite, c'est l'entrée, je crois. Rien, rien dit qu'il... Ah, il nous suit, c'est un scolopendre. Putain, il m'en fait peur à quand il commence. Non, 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 je hais les scolopendres. Oui, oui, je hais tout ce qui est insecte en général, donc clairement... Mon dieu. Serrer la valve, trouver la valve. El scolopendro. La porte. Hein. Il nous suit toujours ? Non. Oh, tant mieux. Putain, serpent de scolopendre de merde. Oh nice. La croix de Jesus. T'as trouvé un truc? Y'a rien. Y'a rien. Non, ne retournez pas en arrière. Bah on est coincé en fait. Attends, moi je suis safe. Il est là. Adieu. Non, viens. Adieu. Monte là, voir s'il peut nous tuer. Oh putain, on est vraiment nul. J'ai pas envie, vraiment. Bah écoute, moi non plus, j'ai pas envie. On dirait, moi, quand j'étais petit, j'avais peur des cafards au sol. Du coup, je me mettais sur mon lit. Mais comment ça, des cafards au sol? Toi, tu goûtes j'ai des mélanges comme ça? J'ai pas peur, moi, des cafards. Mais... Ah ouais? Oh, il s'est enterré là, enculé. Faut que quelqu'un se... Et si tu balances un stick sur sa gueule? Non. Je me propose. Oh, ça marche. Glitch. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, facilement esquivable. On l'a glitché, let's go. C'est pas... Bien joué, Sol, bien joué, bien joué. C'est quoi? C'est un cul délicieux. C'est un cul, ça. Il arrive. Ouais. Il y a une salle là. Oh, il y a une porte là. Hein. J'ai la valve. Yes. Nice. JJ. Inséré la carte se débloquera pour les cas particuliers après l'évasion. Mourir des mains du scolopendre. Non, il va s'enterrer, je pense. Je pense pas qu'il peut nous tuer comme ça. Je mens, encore une fois. Tu vois, il a peur. Il peut pas venir dans ces salles, je crois. Ouais, je pense, ouais. Ou alors c'est trop facile sinon. Safe, zone safe. Ouais. Il est à gauche, faites gaffe. Il s'est enterré ? Il est parti. D'accord, bon bah let's go. Ah, cul-de-sac, on est dans la merde. Merde. On est dans la merde. Enfin, moi, j'ai flippé quand vous êtes retourné, hein. N'importe quoi. Il est à droite ou à gauche ? Enfin, il est à droite, hein. Il est quelque part par là. Il est à droite, hein. Parce qu'à gauche c'était un cul-de-sac de toute façon. Venez par ici. Cul-de-sac. Eh mais vous êtes des toxicos du glow-stick en fait. Comment ça la valve. Le mob il fait pas de bruit, je déteste ça aussi. Tu l'entends pas arriver. Si, il fait du bruit. Ah ouais, je l'ai pas entendu tout à l'heure, pourtant il était très proche de moi. C'est le même bruit que la sangsue à peu près. Ok, d'accord. Où est la porte? That's the question. Putain. Double cul-de-sac, un plaisir. Yes. Il doit être en train de nous suivre. Hein? Quoi? Il y avait une grosse lampe à récupérer là. Une grosse lampe? Et tu peux t'en servir? Vous allez trop vite. Bah oui, regarde. Coucou. Peut-être que tu peux l'aveugler? Moi je l'ai pas. Ah, maybe. Non, je l'ai pas non plus, je te rassure. Une grosse lampe jaune là que je viens de récupérer. Non, non, pas du tout. Je pense que ça doit être à usage unique pour une seule personne en vrai. J'ai trouvé. Les enfants, c'est la sortie. Oui, bah y a Cathy qui se fait pourchasser.
C'est bon, venez, venez, c'est la sortie, là, c'est la sortie. Il y a la sortie, c'est bon, il y a la sortie. Et surtout, merci d'avoir autant d'être resté jusqu'au bout, au moins. La sortie, mon cul, bonne soirée à toi. Ouais. Oh, si, c'est bon. Easy peasy. Case closed. Attends, on a la map et tout. Ouais. C'est stylé. Oh. Bah, Z. On dirait un dessin d'enfant de 4 ans. C'est excellent. En vrai, ça nous montre tellement à quel point on a fait le tour sur nos pas à chaque fois. On a gagné de l'XP aussi, c'est pas mal ça. Ouais. Bon, bah, allez au salon. Allez au salon. Incroyable. Bon, du coup, voilà, on est entraîné. Maintenant, on peut refaire l'autre. Non, je... Ouais, je pense pas. Ouais, je pense pas que je vais en faire une autre. Ouais. Clairement pas. Non, mais ouais. Je me doute bien, ouais. De toute façon, l'heure qu'il est. Il est 23h30. Bon. En vrai, je vais peut-être m'arrêter. Non, je vais m'arrêter là. Comme ça, je vais me coucher un peu plus tôt. Tu es sûr? Oh là là. Ok, je comprends, Seule vie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à dire? T'as dit pas bruit. T'as dit, si tu couches de plus en plus tôt, tu vieillis. La vieillesse. À bientôt les 6 heures de sommeil. Hein. Non, en vrai, le scolopendre. Merci scolopendre, beaucoup, Lydia. Bonne soirée à toi. Bisous. C'était simple à counter. En vrai. Bisous à ceux qui vont se coucher. Ouais, bisous. Reposez-vous bien. Tchou. Bon. Bon, ce sera quand du coup le prochain live du coup. Vendredi. Vendredi, ouais, c'est ça. Vendredi, moi je stream. Ok. Donc, ouais, pareil. Voilà. Et en tout cas, vous en avez pensé quoi là, de ce chapitre 6 Casse-couille. C'est à nous clairement. Que tu demandes. Ah bah oui, c'est à vous, oui. Bah, j'ai pas arrêté de le répéter. J'avais trouvé le labyrinthe avec le cochon là, chiant, mais tu sais quoi, celui-là il est casse-couille. Aucun indice sur où sont les rouages, l'IA du mob est complètement pété du cul et ben voilà, tous les chemins se ressemblent. C'est ça en fait, parce que j'ai l'impression de pas avoir su comment esquiver correctement le mob en fait. Ah non, mais le mob pour moi il est juste. Il est juste relou en fait. Pour moi, il est fait pour que tu le repères relativement facilement. Ouais. Et il faut juste pas te faire voir tout simplement. Oui, c'est ça. Le problème, non, c'est bon, pas se faire voir quand il est directement derrière toi, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut se retourner régulièrement. C'est pour ça que je me retourne constamment en fait. Au fait, il peut le dire. Hein. J'arrête pas de me retourner. Hein. Ah ouais. D'accord. Bon, on verra de toute manière. Enfin bref. On verra vendredi soir. Bon. Moi, demain soir, j'ai trop hâte. Je vais streamer Escape de Backroom, ça fait un moment. J'ai trop hâte. Nice. Ouais. Je vais enfin le reprendre. Ah, oh, si je rentre pas trop tard de chez moi, je vais peut-être stream mais genre du Valo ou des trucs comme ça peut-être. Ouais. Incroyable. C'est cool. Ouais, ah, peut-être en vrai que moi il y a moyen dans la journée demain je stream. Valkyrien il veut pas qu'on arrête. Mais malheureusement. Ouais, c'est pas lui qui décide donc voilà. Voilà, c'est pas lui qui stream. Non, je m'énerve au Valkyrien, non mais sérieux. Entendu, c'est pas toi qui décide. Si jamais, moi je t'invite à me rejoindre. Bref, du coup. Tu m'intéresses Tu m'intéresses, boum, je te mute. Mais du coup. Non, mais si, t'allais dire quoi? Non, je vais rien dire, moi, j'attire les gens chez moi s'il faut. Genre. Oh là là, quel profiteur. Oh là là, la quel profiterole même, je dirais. Il veut me voler mes la profiterole. C'est bon, d'ailleurs, une bonne profiterole avec. Bon, après, on a eu le screamer du jour, hein. Voilà. On a eu le cri de sol, donc c'est bon, ouais. Le live est réussi. C'est vrai. Puis il était pas aussi fort que la dernière fois, mais bon, vraiment, il était pas mal. Ouais, parce que moi, du coup, je l'ai pas entendu, donc va falloir que j'aille écouter ça. Et il était léger, il était camouflé par le bruit de l'ascenseur. C'était le moment le plus moisi du cul en plus, hein. Du coup, vas-y, on se rejoint sur Discord, je clique c'est ça. Sur. Ça marche. Ouais, bah moi je vous rejoins Discord, mais je fais ma petite outro d'abord. Je fais 5h du matin, Val, qui était mignon, mais ça fait long là. Allez, à de suite. À de suite. Ouais, je vous rejoins dans 2 minutes, les copains. Ouais. J'ai même pas eu le temps, je leur ai même pas laissé le temps de finir leur phrase MDR. Bon, bah encore une fois, une déception. Hein. Non, je rigole, ça y est. Le mec, il est pessimiste de foot, tu sais. Petite déception quand même sur ce chapitre ce soir-là. Un petit peu trop dur, vraiment. Je pense vraiment que l'IA du mob est compliqué. Il n'est pas du tout facile à comprendre. Après, c'est peut-être moi qui suis débile. Hein. C'est fort possible également, hein, parce que je ne dis pas que... Voilà, quoi. Je suis un petit peu un autiste sur les bords. Mais bon,
On le retentera du coup vendredi soir. On aura plus de temps pour jouer en plus, parce que bah voilà, vendredi soir, vendredi c'est le week-end, c'est la fête, il n'y a aucun problème. Demain soir, du coup, effectivement, Escape the Backrooms avec la chère Triaptog, avec Adèle. Non, pas Adèle, avec Emmerich et Maïtena. Maïtena est de retour, ouais, parce que la dernière fois qu'on a joué à Escape the Backrooms, elle n'était pas là. Mais elle est en fin de retour, ça fait plaisir qu'elle soit parmi nous. Écoutez, en tout cas, ce fut quand même un plaisir. Voilà. Merci encore une fois à Scott Lydia de cette sub à la chaîne et d'être venu en live. Merci à Lévi. Lévi, ça fait un moment aussi que je t'avais pas vu, donc ça me fait plaisir de te revoir, même si t'arrives un peu tard. Et merci également à Raph qui est passé, Raph qui t'a laissé coucher parce qu'il travaille demain, je le comprends. Voilà. Donc, écoutez, encore une fois, merci à tous d'avoir regardé ce live. Je remercie également les rediffusions qui regardent les lives, parce que je vois que vous êtes assez constants. Voilà, on tape quand même du 30 vues par rediff, et franchement, je suis très content, c'est des très belles stats. Maintenant, il ne reste plus qu'à attirer du monde. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok, à aller voir mon Insta, à aller voir mon YouTube pour les petits clips que je fais, ou alors pour regarder sur Twitch. Sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi parce qu'il y aura bientôt des best-of. Et je vais publier toutes les rediffusions pour ceux qui vont voir les lives. Comme ça, au moins, vous pourrez ne rien rater, ceux qui sont sur YouTube. Donc, écoutez, moi, je vous dis à demain soir, 21h, sûrement. Je dis sûrement parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, en général, c'est 21h. Demain soir, 21h, pour Escape the Backrooms, pour la suite avec le Quatuor de Choc. Sur ce, je vous lis. À demain. Bye bye, plein de bisous. Reposez-vous bien. Allez, ciao.